Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue, nous sommes le jeudi 23 avril 2015, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur jeuxvideo.com et plus particulièrement Gaming Live TV1, sa chaîne généraliste. Je suis Click, vous êtes les viewers et nous sommes ensemble jusqu'à 15h sur GTA Online, un programme de fous furieux. Mais avant de vous parler du programme du jour, parlons bien de la caméra qui se centre pas, bordel, s'il vous plaît caméra, merci. Attention, petit mouvement de cul, rotation, hop là, flexion, extension. Bon, on n'y arrivera pas. Ah, le programme de votre journée sur ATV1 est très simple. 15h, c'est Begito qui revient avec Star Ocean Until The End of Time sur PlayStation 2. Oui, ce sera un level up made in Begito. À 17h, c'est Road to Platinum. C'est Atomium qui revient sur Zone of the Enders. À 19h, c'est Bière, Pâté, Joystick by Memory Card. Attention, ça risque d'être totalement épique si vous ne connaissez pas Memory Card. C'est Chavex, Pierre et Plax. Ils reviennent, le trio de folie, pour vous entraîner toute la nuit. Au moins jusqu'à 21h. Et à 21h, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Je sais pas, ça fait très chant polyphonique. Bref, c'est Bob Lennon qui revient pour le stream de la propreté. Autant vous dire que vous avez un programme de la journée qui déchire mémé dans les orties. Pendant ce temps-là, sur l'Alex Click TV, ce soir, vous aurez à 20h Tado qui sera sur l'ouverture d'un nouveau serveur vanille avec la Farmcraft. Et à 22h Green Kiwi qui sera sur du Feed the Truduc. Feed the Truduc qui revient très très vite. Don't worry, be happy. Je suis Click, vous êtes les viewers, bienvenue. À ce moment-là, si j'avais une vraie production, ah, il y aura un jingle, tu sais. Mais bref, il n'y en a pas. Vous avez un chat, il se trouve à droite du lecteur. Mettez un petit pseudo, vous rejoignez dans la joie et la bonne humeur. Les 166, 167, 168, 168. Je peux pas faire ça jusqu'à l'infini parce que sinon on n'est pas rendu. Personne actuellement sur le chat. On dit bonjour à Vava qui dit que d'ailleurs, il faut que j'arrête la drogue car les intros se barrent toujours en couille. Non, elles partent en vrille si tu veux. Une vrille un peu War Thunder. D'ailleurs, War Thunder lundi 19h. Vous allez voir, lundi prochain, ça va envoyer du pâté. On dit bonjour à Monsieur Bastos, à Julien, à Valou, à Kiki. Bonjour Kiki. Bonjour, bonjour, bonjour à Floyer, à Demeuse, à Deadspec, à Spacu, à Monsieur Ben, à Monsieur, j'ai pas vu ton nom, c'est passé trop vite, à Boots, oui, 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 à Moonboots, il est là avec nous, le vrai, un inventeur, que dis-je, ah oh, oui, c'est beau, il est beau ce chat, il est beau ce chat. Oh, il est propre pour l'instant. On va voir s'il reste propre, le chat. Et ben aujourd'hui, nous serons sur GTA V. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez le lien pour le crew GTA V en bas à gauche. Et petit rappel, nous avons commencé des sessions de ban en faire les joueurs qui font Nawak. Voilà, qui sont logotés clic sur le jeu. Et dès qu'on a des grosses remontées sur des joueurs ou dès que nous, on les voit faire de la merde, on les banne. On en a eu un d'ailleurs hier soir. On a fait une session avec vous. Hier soir, on s'est marré en off. Et justement, il y en avait un qui coulolait et qui s'amusait à tuer tout le monde. Donc on la banne et quand on lui a dit qu'on l'avait banne, il a commencé à nous insulter. Ouais, fils de flûte, ouais, joueur de violon, etc. Bon, bah c'était pas grave, hein. Nous ça nous a fait rigoler. Lui un peu moins, puisque maintenant il joue tout seul. C'est dommage. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mon équipe de braqueurs, hein. Bonjour, Foxine. Ah non, c'est pas Twitter. Ah oui, et salut. Vous pouvez aussi communiquer via Twitter, le hashtag #MinitoClick Twitter, c'est le petit oiseau qui fait... Ouais, qui fait mal à mes oreilles, ce petit oiseau. Soyons francs, il pique les oreilles bien comme il faut. Comment ça va, Foxin? Bah ça va, ça va. Oui, ça va très très bien. On va braquer braquage 5 aujourd'hui, dernier braquage. Ouais. Oui, sur GTA 5. Ouais, essayez. Bonjour, Ouro. Salut, salut. Vous allez bien, notre, comme dirait le public, notre râleur sniper? C'est beau, râleur sniper, hein. Ouais, ça va. Ça va bien. Comment ça va, pupute? Ça va. Oui, oh, on est en meilleure forme qu'hier midi. Et Poupoutre ? Ça va, ça va. Ouais. Bon, bonjour Musaren. Salut Alex Click, ça va Musa ? Ouais, super. Ok, merci Musa. Alors, il est dans ma voiture, mais je sais pas, il est pas avec Oui, je sais pas ce qu'il fait. Il est parti faire sa comptabilité, le gars. Il a toujours pas compris. Là, mais attendez, je vais aller chercher parce que là, à un moment donné, fessé. On commence par la fessée, bougez pas. Bon, écoutez-moi bien, Musaren. Vous venez faire des braquages ou vous faites piscine ? Ok, il n'est pas là, je pense qu'il est parti se recoucher. Voilà, il ne répond pas. C'est que du bonheur, cette émission. C'est les aléas du direct, vous voyez, Buzzred nous a sûrement fait une caféite aiguë. C'est un... Il faut savoir que c'est une... un malaise qui arrive... Ouais. Une café subite, oui. Dans subite, il y a sub. Bonjour. Ah, et vous pouvez voir, regardez, je me suis fait une tenue de motocrosseur. J'ai appelé ça le click cross. Voilà, je la trouve bien, j'ai mis le A de Alex Click dans le dos. Voilà. Elle est tellement dégueulasse, mais j'aime beaucoup. Bon, je vais chercher, on va revenir à la maison de braquage. On espère que Musaren va nous rejoindre. Aujourd'hui, on fait le braquage censé être le plus rémunérateur dans GTA. Le braquage 5 avec 1 million à la clé, mesdames et messieurs. Alors, censé, j'ai bien dit censé, car j'ai pas fait exprès, je me suis un peu spoilé. Et j'ai eu des infos,
Et notamment, merci Musaren, hein, d'ailleurs vous n'êtes pas là donc on va vous charger la mule, hein, profitons-en. Notamment, ça va dépendre, on va avoir 1 million à la sortie de notre braquage, mais il va falloir fuir. Et il est probable qu'en revenant, on reparte avec 4 euros. Voyez. Donc, non, je vais me changer avant, s'il te plaît. Je vais me changer, avec je peux 1 pas. Euro. Oui, 4 euros chacun. Ah, on va se mettre en quoi? Voilà, je vais me. Voilà, en commandant. Bonjour, je me prépare pour mon braco. Hein. Et hop. Vous avez vu la rapidité de ce personnage à se changer. Voilà. Où t'es Musa, où t'es Musa, où t'es Musa après papa, où t'es Musa, où t'es. J'ai rien compris. Bonjour Musaren, vous étiez au Salut. Pipi? Non, j'étais au téléphone avec ma frangine. Ah, et bah bonjour à ta sœur. Non, ça fait bizarre, on a dit pas, les, pas la famille, ça fait chelou. Bonjour à ta sœur. Quoi, qu'est-ce que tu dis sur ma sœur? Bon, allez, on est parti pour le braquage 5, Musa. On est chaud, on est cacao. Ouais. Demain, ça sera un spécial saut, mesdames et messieurs. Il y a 50 sauts à faire, on les a commencés. Mais on les fera avec vous sur une session crew d'ailleurs. Ça va, ça va, c'est bien. Ah voilà. Oui, c'est autant le bordel comme hier, on en a fait deux en une heure. Exactement. Voilà, c'est ce que je disais en début d'émission, mais vous n'étiez pas là, t'étais avec ta sœur. Elle fait la vidange. Voilà, je peux le dire, là, c'est pas une insulte. Et ta sœur. Bon, bref, j'arrive. J'ai piqué cette bagnole. Voilà. Voilà, celle-là, je l'offre à celui qui veut, cette bagnole. Je m'en tamponne la coquillette. J'ai Il y a quelqu'un qui fait la vidange, Alex. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un qui fait la vidange. Eh, monsieur, eh, faites la vidange, madame. Madame, faut se relever. Non mais. Là, ça fait la vidange de ma voiture. Mais elle fait la vidange que dalle là. Elle fait la vidange avec ses talons aiguilles, ma gueule. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est comme ça. Allez, c'est la voiture, je peux pas aller là. De quoi c'est ma voiture? Ah ouais, bah je faut que j'aille la vendre alors. Chier. T'as dit, Simeone ne veut pas de véhicule personnel. Ouais, ouais, mais. Il me fait chier, Simeone. Apparemment, c'est une voiture qui est recherchée. Hein. Ah bon, bah, je vais aller la vendre plus tard. Bon, de toute façon, si elle est à moi, elle restera, et puis c'est tout. Alors, allons-y. Ouais. Allons-y gaiement. Braquage numéro 5. Moi, je rentre par le garage parce que je suis un fou. Vous allez voir que j'ai revendu la RS Carbone, que je trouve moins bien que ma moto. En fait, j'ai plus de plaisir à conduire ma moto personnelle, la Akuma. Donc, j'ai revendu la RS Carbone, et comme je l'ai modifié, je l'ai vendu 115 000, je crois. Voilà, donc j'ai 430 000. Alors, tant mieux d'avoir des sous, parce que pour le braquage 5, celui qui organise, donc celui qui se fait régulièrement avoir sans vaseline, devra prévoir 100 000 de frais. Voilà. Bonjour, vous voulez faire un braquage, c'est 100 000. Non, mais attendez, je croyais que je gagnais des sous. Ah non, monsieur. Dans un premier temps, vous formez votre équipe et vous payez 100 000. Mais 100 000, pourquoi? Ouais, c'est des frais. Ah, mais ils me coûtent cher en frais, les gars. Eh, les gars, les frais de dossier. Eh, vous me coûtez cher en frais de dossier, frais de jus d'orange et tout, les gars. Allez-y, sonnez chez moi. Ça me fait plaisir. J'aime bien faire comme ça. Ça fait vraiment très RP. J'attends que les copains sautent. Alex, arrête la drogue avec tes nouveaux mots. Oh Kiki, j'ai rien compris, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Faire entrer ami et croix à proximité, voilà. Je fais rentrer tout ce qui bouge, allez-y rentrer. En termes de moto, Bob Lennon a trouvé la meilleure moto, tu peux pas avoir mieux. D'accord, merci de me donner la marque et le modèle, ça m'aide vachement à trouver la meilleure cool, moto. C'est cool, ça nous a aidé, hein. Voilà. Merci à toi. Attendez, j'appelle tout de suite Bob Lennon, je sais pas s'il est levé. Là, mais ouais. Je vais l'appeler en live à de ces quatre. Allô Bob, oui, alors les viewers me disent ça, qu'est-ce que t'en penses? Hein, je me réveille, putain, à te faire foutre. Franchement, Alex, tu vois pas que je fais dodo, là? Oui, d'accord. Alex, tu posteras une VOD de RP. Elle arrivera demain avec Amixem, on s'est mis d'accord pour centraliser une masse monétaire assez importante. Nous la diffuserons demain à 18h. Lui a décidé de vous faire deux épisodes, hein, pour gagner plus d'argent. Moi, je n'en ferai qu'un, donc je compte clairement, avec cet épisode, me faire à peu près 4 millions d'euros. Voilà. Le minimum. C'est le minimum. In-game, hein. Parce que en vérité, c'est pas ça. Alors, ça dit Alex, l'humour a encore rappelé, c'est terminé. Il nous manque qui? Je sais pas pourquoi je demande. Je sais pas. Foxin? Ah si. Oui. Oui. Où c'est que vous êtes? Il y a un petit accident de moto, j'arrive. Caché actuellement à l'hôpital. Voilà, bonjour. Je suis actuellement à l'hôpital. Lester veut m'appeler. Oui, bah justement. Voilà. Alors, pour information, ce qui va être très drôle, c'est qu'on n'a jamais fait ce Braco 5. Donc, ça va être du live. Donc là, vous allez avoir le pire du meilleur. Ou le meilleur du pire, je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Alex, t'inventes des nouveaux mots, c'est pas vrai. Même avec des bots, tu ne gagneras pas 10 000 euros. Oui, merci Plif de me remettre dans la réalité malheureuse de mon métier sur internet. Voilà. Pour faire une vidéo à 10 000 euros, faudrait faire quoi? Il va falloir des vues. Hein. Faudrait faire 20 millions de vues. Ouais, avec le taux d'adblock, c'est à peu près ça. Faudrait 20 millions de vues à peu près. Voilà.
Et encore. J'en suis tellement proche. Je voulais vous le rappeler. Alex, ce qui se joue des vies. Oui. Alors oui. Les animaux, dans l'escalier sont descendus par la cheminée. Non, là t'as mis tous les mots. Du coup, c'est pas bon. Il faut retirer des mots, je pense. Alex, ce qui joue. Ben oui, mais enfin, je suis pas. Alex, en fait, si je veux jouer à Motus, les gars, je m'inscris. Mais bref. Voilà. Foxy n'a pas à succomber. Oui, apparemment, elle a des. Voilà. Bon, Foxy, on va vous envoyer une invite. Je pense que ça va aller plus vite parce que sinon, c'est probable. Il faudrait qu'on finisse en live, les gars. Alors, bonjour, les frais de préparation pour casse de la Pacific Standard s'élèvent à 100 000 $. Oh, t'as un fax. Vous voulez quoi? Attends. Il y a un fax. Et même un Minitel. Il est où mon fax? T'as un Minitel? Ah, il est là. Oui, bah j'ai un fax. C'est pour me faxer des choses, vous voyez. Les factures. Alors, 100 000, voulez-vous continuer? C'est tellement vintage. Oui, je vais continuer. Les gars, ça y est, je viens de. Je me sens vide là. Ouais, ça va, t'as dépensé ça. Ah, ça me dit sur hashtag Mini2Click, entre Pierre et AmixM, tu en as que des potes arnaqueurs. Exactement, c'est d'ailleurs une condition sine qua non. Ouais. J'ai des personnes qui m'ont contacté en disant peut-on devenir amis? J'ai regardé leur vidéo et j'ai dit malheureusement, pour moi, tu n'arnaques pas assez les gens. Donc c'est pas possible. L'arnaque n'est pas ton métier. Ton travail est beaucoup trop propre. Ton travail est beaucoup, beaucoup trop propre. À ce titre, je ne souhaite donc pas te parler. Voilà. Alex, à quand la minute Becherel? Voilà, on va faire une seconde Becherel. Bonjour. Ah bah là, c'est plus le Becherel. Voici un Becherel. Au revoir. Des mots complets. C'est les mots, là. J'ai pas vu alors cette histoire de moto de Bob Lennon. Moi, ça m'intéresse. Alors, c'est peut-être celle du Braco 5. Parce que là, on va débloquer au Braco 5 une fameuse moto ultra rapide. C'est peut-être celle-ci. Mais bon, cette personne ne m'a pas indiqué. J'ai pas vu. Voilà. Vas-tu faire d'autres lives avec AmixM ou voir avec Pierre? Oui, c'est probable. Comme j'ai envie de vous répondre avant 2017, pour reprendre une expression pierrienne, nous ne savons pas là. Nous avons un planning un peu blindé. Mais je vous rappelle d'ailleurs, avec AmixM, vous pouvez aller nous taquiner ce week-end à la Cavicon à Marseille. Le mec il s'est planté d'endroit. Ça demande les gars, j'y suis. Des véhicules volants, c'est à Nantes. C'est à Nantes, la Gavicon ce week-end, samedi et dimanche, nous y serons notamment avec AmixM. Donc si vous nous cherchez, venez nous voir. L'entrée est bien entendu payante et rien ne nous est reversé. Voilà. Appelle Bob. Non, j'appelle pas Bob à midi 15, vous êtes fous. Non, vous êtes fous. À midi, mais vous êtes fous. Vous êtes des malades. Il a dû skyrimer toute la nuit encore une fois, donc laissez-le tranquille s'il vous plaît. Ayez du respect envers sa personne. Foxine, vous avez reçu une invitation? Non, attends, il est décédé, comment tu veux qu'il... Bah il a dû revivre. Je viens de raccrocher sans faire exprès, c'est pas lui. Mais attends. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Les gars, alors il va falloir qu'on fasse une chose, hein, c'est important. Oui. La moto de Bob Lennon, c'est une Pécassi Ruffian. Non, la mienne est plus rapide. Je ne sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si on l'a. Je sais pas. C'est ça, quoi, non? Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui m'a proposé de m'amener une cagoule d'intervention à la Cavicon ce week-end, de me l'offrir. Écoutez, c'est un beau cadeau que j'accepterai avec plaisir, mais la police risque d'intervenir, hein, oui. Si un fou furieux est en cagoule. Si... Il faut pas rentrer avec ça la genre, tête, tu veux un hydra à 3 millions, tu payes à chaque fois. Non, tu le payes 3 millions et après pour le sortir, c'est 400 $ en fait. Tout ce qui va être volant, 200 $. Tout ce qui va être volant, c'est comment il s'appelle, Mary Weaver qui vous le stocke, vous les appelez, vous le mettez à l'aéroport le plus proche. Tout ce qui est bateau, Pegasus. Et tout ce qui est bateau, ça sera à la marina. Mais moi, j'en ai pas encore, hein. Clairement, je me suis concentré sur les voitures. Je viens prendre ma canne. Oui, c'est très étrange. Là, vous verrez les cinématiques. Aujourd'hui, nous ne l'avons jamais fait. Oh putain, calme-toi, Lester. Je vais encore t'en coller une, je te l'assure. Oui. Tu la veux, finition du beau gosse. Non, j'en veux pas. Non, tu veux pas ta canne. Prends ma canne. Dégage avec ta canne. We all love banks. Oui, on aime les banques. Merci, Lester. Oui, des grosses banques. Ah oui, j'aime bien quand c'est juteux. Allez, on y va, Lester. Un coup de génie en 14 étapes. Merci, Lester. 8 mois de préparation pour repartir avec 4 euros. C'est un peu ça. Braquage pour raison sociale. Merci. Ça dit que les 100 000 euros et le moment de solitude, Lester. Toujours l'impression qu'il va me glisser sa canne entre mes jambes. Ouais, chaque fois, il me fait peur un peu. Ah ouais. C'est
C'est les lunettes, ça, je pense. Des fois, il mériterait qu'on lui mette une... Alors, on va faire le braco d'une grosse banque. Donc, on va avoir besoin de quoi? Parce qu'on l'a jamais fait, hein, les gars. On vous l'annonce, ça va être nawak. Hein. J'ai pas pu lire le premier truc. Un transpondeur. Ouais, apparemment, il faut piquer un transpondeur. Oui, c'est... Bah, on a tout compris. Oui, oui. Bien sûr, Lester. Ah si, voilà. Voilà, prendre des fourgons en photo. Fourgons en photo. Vers des photos. Il veut partir en vacances si je veux choisir son véhicule, je pense. Il faut trouver un mec en bateau qui fait de la pêche. Super. Bon, pour l'instant, ça va pas l'air trop dur, les gars. On va porter le transpondeur, un truc. Ah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Attends, attends, on va le relire tranquille. Dès qu'il sera barré, là. Faut trouver du transpondeur dans un fourgon et pour l'identifier, faut les prendre en photo. Apparemment, on doit en avoir 3-4 à prendre en photo et après, il nous dit alors, lequel est le... Alors, reprenons, mesdames et messieurs. En 1, en tant que chef d'équipe, je vous rappelle, attention messieurs, en 1, d'abord, nous allons choper des fourgons, récupérer un fourgon de post-op, vous voyez, équipé d'un transpondeur qui pourra être reprogrammé pour neutraliser les systèmes de maculage. Hein, maculage, c'est les maculage. Trucs qui explosent. Si, c'est les trucs dans les billets. Si t'as pas le transpondeur, paf, ça pète, les billets sont maculés. On dit maculés de peinture, ah, oui. Etc. Voilà, donc on doit d'abord faire des photos de fourgons. Super, merci Jean-Claude. Après, on doit faire transmission, donc on doit apporter le transporteur à avis pour qu'il puisse le décoder, j'imagine. En 3, on doit pirater. Ok, c'est super. De piratage à une équipe de braqueurs rivaux, d'accord, on devra leur piquer leur fourgon. En 4, on devra se faire le convoi, donc intercepter un convoi de Merryweaver pour obtenir les charges thermiques. Ok, super. Et en 5, on pique des motos. Ah, c'est les fameuses motos. Ok, allez, c'est parti, on est chaud, mesdames et messieurs. On commence par fourgon en espérant que Musa ne crache pas. T'as pas envie d'être dégueulasse aujourd'hui, hein? Rassure-moi. Non, non, ça va. Mais j'ai une petite mise à jour ce matin, donc en espérant que... Il a fait une vérification des fichiers, c'était mieux. Okay. Peut-être. Bah, peut-être Rockstar m'a entendu cette nuit. Donc on fera peut-être le faire une mise à jour. Je te jure que si je rentre pas dans mes frais, ça va péter un plomb, hein. Farming. Tu sais combien il me reste? Il me reste 4 000 $ là sur le jeu. J'ai revendu ma Carbon RS ce matin. Ah non, pardon, il me reste 3 270. Allez, c'est parti. Alors, messieurs, je vais vous demander. Oh là! Oh lolo! Oula, on est beau. T'as le smack, oh, hein, je suis quoi? Moi, je suis chauffeur avec Oro. On est des chauffeurs aussi. Et Fox et Musa sont des navigateurs. Mais en bateau? Bon, nous? Attendez, navigateur. Je vais me mettre bien. Oh, c'est bien ça, vacancier. Oh, on se met en Marcel. Crocodile. Le t-shirt crocodile. C'est un Lacoste déguisé. Marque. Véhicule, le Jackal. Ah ouais, c'est le truc. Ah, attends, je vais prendre quoi comme véhicule? Tiens, on va se prendre. J'ai un cocard sous l'œil. Je sais pas qui c'est qui m'a frappé. Excuse-moi, tu m'as énervé. Bim, bim. Blazer, là ici, voilà, on va prendre là ici, chez moi, comme ça au moins je vais la décapoter, celui qui monte avec moi pourra prendre des photos tranquilles. Donc nous avec Oron, on conduit. Avec moi. Moi je prends Musa. D'accord. C'est chelou dit comme ça hors contexte, je prends ouais. Fox, je prends Musa. Voilà, tac tac tac, nous on va monter dans la décapotable clic. Voilà, tu seras et tranquille. Mon petit short jaune dégueulasse. Pourquoi il n'y a pas de points? Le vrai navigateur du drive est écrit en haut. Oula, oula. Pourquoi il n'y a pas de points? Attends, il y a un temps. LOL. Wow, c'est un détecteur de Dragon Ball. Va toi. C'est toi qui fais ça? Mais lol, et tu vois quoi? Moi je vois rien. En fait, j'ai une espèce de radar avec des points rouges. Oh non, ça va être le merdier. Je vais par là? Ouais. Je peux mettre des flèches, je crois. Faut que tu mets des flèches partout. Mais ouais, moi j'ai des flèches partout. Tout droit? Mais bon, lol. Moi, je vais tout droit, si tu mets rien, je vais tout droit. Ouais, moi aussi. Ah bah super, je vais tout droit, demi-tour. Mais lol, mais de ce fait là, je les vois les fourgons, je les vois pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore, mais... Ouais, non, mais je voulais ouvrir le menu interaction, et en fait c'est la flèche bas. Et, mais tu vois la route ou pas là, toi? Bah non, moi j'en ai juste un là, à ta gauche. Ah ouais. Je vais où, tout droit? On va trouver un fourgon, ça y est. Non, je peux pas tout droit, faut que je tourne parce qu'après je suis dans un cul-de-sac. Allez, barre-toi toi. Et y'en a un, il est en train de me spammer des flèches, mec. Gauche, droite, gauche, droite. Ouais, ça va être demi-tour. Eh, c'est pas comme ça qu'on fait du rallye aussi? Si, le rallye, je crois aussi. On en fera demain, Oro. On fera du rallye demain. Ouais, parce que demain, il y a... Et d'ailleurs, Musaren, vous ne serez pas avec nous demain, puisque toi, t'es dans le train pour venir à la maison pour la Gazicon ce week-end. Ouais. Je pourrais être là la première en bas heure, ou en haut pire, mais... Enfin, je me fais pas repérer par le fourgon, parce que sinon, il m'est foutu, il paraît. Mais lol. Ça va, mais on fait une balade ou quoi, là? Faut mettre. Et c'est quoi, c'est des fourgons qui s'appellent Post-op, c'est ça? Post-op, ouais. T'as l'air d'être ça, ouais. Post-op, ouais, on en a vu un, c'est post-op, ils sont... Attends, ouais, ok, genre, on en a un, mais je vais pas arriver comme une balle, je sais pas si ça peut... Prends ta photo. Wow! J'y vais tout doux, parce que je sais pas si ça peut me compter... Si, il a dit qu'il fallait pas se faire opérer, c'était écrit en haut.
prends ta photo ou quoi? On va sur l'autoroute. Bon. Bah non, j'ai pas prenez vu, une c'est photo bon, de moi. La plaque d'immatriculation. Oh, c'était pas assez bon. Là, au feu, t'inquiète. J'ai il roule comme un blaireau en plus. Ah, c'est bon. Ok, maintenant je vais où? Oh, mais qu'il est fou, on sort là, Fox. Tout droit, donc. Allez, on y va, c'est parti. On en a combien à faire? 2, 4, 4, on est à 2 sur 4, ok, tout va bien. Je pense pas qu'il soit sur l'autoroute, là. Oh, pardon, excusez-vous, je suis un touriste, je connais pas la ville. Toutes mes confusions. C'est un tourista. J'adore ce klaxon. Gauche. Ah. Je suis pas de gauche depuis tout à l'heure. Tu sais combien il m'a coûté tellement cher ce klaxon? C'est une honte des klaxons aussi chers. Ouais, 25 000 le klaxon. Si tu spams en fait, le Fox, les flèches apparaissent. Gauche. Bon, moi il me dit rien, je vais tout droit. Juste les dire en vocal. Alors qu'est-ce que dit la mini de The Crew? C'est ça. C'est ma fameuse mini que je transporte partout, peu importe le jeu. Ouais, il a Eh, c'est trop bien, tu peux faire un one man show dans le jeu. Et à ce moment-là, je lui ai dit: eh, y a pas le coiffeur! Il est devant là, regarde. Devant, regarde. Regarde, tu le vois un peu à droite? Ah, vous êtes peut-être sur le même que nous. Ok, je l'ai. Non, c'est pas le même. Non, je pense pas que ce soit le même, ils sont loin. Gauche. Gauche là, à la prochaine. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont dessus. Hein. Ah, ça y est. Non, ils sont sur le même que nous, donc. C'est bon. Ouais, si, ils étaient le même que nous. Dernier, on se fait ensemble, les gars, c'est pas grave. À gauche. À gauche là. Ils étaient loin du tout. Ils étaient vachement loin, les gars. C'est sûr que c'est le même. Oui. Tout droit à gauche. Ah, c'est la prochaine à gauche, excuse-moi. Alors par contre c'est space, mais c'est sympa à faire ça, de pas savoir où je vais en fait, que ça soit absolument mon copilote. Faudrait qu'on se fasse du rallye demain. Ouais. On voit rien sur la Ouais ça va, calme-toi et... Mais c'est ta Ouais bah attends, t'inquiète, je vais reprendre la contre-allée. Elle est là, regarde, à gauche là, tu vois derrière toi. Ah oui d'accord, ok, on l'a le dernier. Ok. On va y aller tout doux pour pas se faire Vas-y, prends la photo. Texi photo. Photographie. Oui bah t'as va, calme-toi, je veux juste pas me faire repérer en fait. Il y a bien un moment où le feu va passer rouge, on a encore 4 minutes, ça va le faire. C'est good. Ah bah c'est bon. On attend Lester là. Ouais, parce que là il y a attendez que Lester accède à la base de génie de Post OPSP. Ok. Tout va bien mesdames et messieurs. Ok. Pas Post OPSP. Ah c'est pas OPSP? Non c'est pas OPSP. En gros il s'est perdu dans une zone résidentielle là. C'est vous, y'a qui tape au clavier là? Non, c'est Lester. Ah, c'est Lester, je pense. J'ai cru que c'était chien de chez vous en mode il sait que c'est un point, ça me change. Donc là, on doit piquer le fourgon, ok. Merde, je peux plus te remettre deux points. C'est pas grave, t'inquiète, je gère de la fougère. J'ai les guignolos devant nous là. Pas guignolo. Si je te bouffe avec ma compacte, bah non, rien. Je bouffe pas avec la compacte. Non, mais ça va, tout va bien. Tout va bien. On pourra se cacher, on est pas loin de chez moi. Si on doit se cacher. Métro. Ah, c'est pour ça que j'ai pris cette appart, cette métro. C'est moins sympa, ça dit, quand t'as un navigateur qui communique pas, tu m'étonnes. Quand t'as un mec qui dit rien, démerde-toi. C'est le gars, il. Pas arrivé comme des balles, les gars. Musa, faut t'enlèves ton point. Légèrement sur la gauche. Sur la gauche, tu là-bas et on part. Il fait demi-tour. Il est con ou quoi? Faites gaffe, hein, faut le one shot, hein, sinon il va se barrer. Hein. C'est bon, il est mort. Il est mort, ok. On prend et. Il faut se cacher en bas de chez moi, s'il faut se cacher, je sais pas. Tu suis Euro, Fox. On a juste à reprendre la route où on était et on remonte tout le monde. T'as des étoiles ou pas? T'as des étoiles? Vas-y, je suis le point de zone. Ouais, j'ai une étoile. Je te suis. On se cache ou. Cache-toi. On va se cacher. S'il a des étoiles, on va pas la risquer, les gars. C'est le braco 5 si on doit faire toutes les missions 20 fois. Tu veux que j'aille au point jaune, moi? Je l'ai pas, moi, le point jaune. Ah, t'as pas le point zone? Bah, on va dessus, au pire, tu viens sur moi. Ah, pour l'instant les flics sont loin, donc je vais pas être repéré. Si vous allez dessus, ouais, je peux vous suivre. Bah là on est arrivé au... Si tu te caches et que ça prend 3 secondes, je préfère 3 minutes de plus là et on refasse pas la mission plutôt que l'inverse, hein, les gars. Bon voilà, je viens de prendre un poteau de signalisation. Là c'est là à gauche le métro. Je crois que c'est chez Lester. Ouais, mais là j'ai un flic qui arrive. Ouais c'est pour l'emmener chez Lester, emmener le fourgon à l'usine de Lester. Oh là là, c'était beau ce que je viens de faire. Absolument ce que tu voulais. C'est bon, t'as plus rien, Fox? Si, ils m'ont repéré et ils m'ont pris un sandwich, c'est bon. Ah merde! En Oreo? Y'a besoin qu'on fasse demi-tour ou pas? Non, bah je vais vers Oro puis je vais me cacher dans les souterrains. Ouais, c'est direct quand t'arrives vers moi, c'est à gauche. Moi je voudrais passer un peu plus inaperçu, je mets donc la capote malgré le soleil. Alors je regarde un peu ce que dit le chat qui est très très calme aujourd'hui. Alex va visiter les fonds marins. Pour l'instant, on fait le braco 5. Si tu trouves la vue FPS inutile.
Ça dépend, là, je l'aime bien. En fait, quand tu combats, ça peut arriver que j'aime bien selon les missions. En voiture, pas trop, en moto, j'aime bien. Ça dépend des situations, en fait, vraiment. C'est très situationnaire, je trouve. Merde. Il y a la police, j'entends la police, je suis caché. J'attends voir la route, Fox. Savez-vous ce qu'apporte la mise à jour d'hier? On n'a aucune idée, Bibi, tout simplement parce qu'ils mettent pas les patchs. Ça dépend, ils mettent rarement les notes patchs, j'ai l'impression. On les voit 20 jours plus tard. C'est bon. Ok, go. Là où on est. Tu dois avoir le point jaune de toute façon. Il est passé où, Musa? Là-haut. Ah, mais pas le con, Marty. T'es où? La tête. T'es quoi? T'es sur le toit? Ah oui. Elle saute pas. Attends, attendez, on a un problème là. Musaren. Oui. Saute pas. On peut en discuter, t'auras une part du braquage, déconne pas. Les pompiers sont en route. Foxy arrive, il a besoin de toi. Viens, arrête, redescends, fais attention. Ok, je descends. Non, pas comme ça, pas comme tu le crois. Fais pas ça. Musa, parle-moi. Regarde. Non, Musa. Il est arrivé quoi, gros? Oh, mais il est pas sérieux. Oh là 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 là. Hop. Atterrissage avec amorti du fessier. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi en fait. Tu m'as fait très peur. J'ai pas bougé. Pourquoi j'ai la police? Perculé. J'ai pas compris pourquoi j'ai la police. Je me fais tirer dessus, j'espère que vous êtes pas trop loin. Parce que t'étais à côté de moi peut-être. Non, non, Fox, non, il arrive là. Ah, moi j'arrive, je suis quasiment arrivé. Surtout qu'on a pas de vie là, qui c'est qui est mort? Bah, c'est moi qui suis mort, j'ai pas compris pourquoi. J'ai aggro la police alors que je bougeais pas. Oh, mais en fait, j'ai fait faire une grosse connerie. Vous bah, ouais, non, mais il est ouf lui. Il a sauté du toit au passage, Musa, en mode, hé, regarde. Il a failli se déboîter. C'est bon, on a déposé le. Bah, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai aggro la Allez, police. C'est good. Non, c'est pas parce que j'étais à côté de toi. Hein, parce que non, quand j'étais à côté de toi, ils m'ont pas aggro du tout. Bon, première mission, ça s'est passé un peu. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Tu vois. Moi j'attends d'équilibrer le fourgon tranquille. En fait, je tiens à dire que c'est quand même un fourgon qui est relativement vide. Oui, bah vas-y, regarde-nous, tout va bien toi. Ça se passe bien. Madame généreuse. Bon, on est chaud. Je me tâte à ce qu'on commence la deuxième et qu'on décale la pub. Je me tâte vraiment en fait à décaler la pub. Bon, 2500 RP, c'est plutôt sympa. Bon, pas de thunes pour moi, vous avez pris combien? 20 000. Bah, comme d'hab, quoi. Arrête de pleurer. Donc, vous allez prendre 100 000. Moi, j'ai dépensé 100 000 et vous allez en gagner 100 000 sur les missions de préparation. Bah, ouais. J'en ai marre. Je quitte le métier de parrain de la mafia parce que c'est parrain de rien du tout, hein. C'est parrain de la vaseline, mon gars. Clairement, hein. Parrain de la vaseline. Alex, tu as combien d'heures de live à ton actif environ? Nous demande 200 Pete. Milliards, je pense. Sur quoi? En tout? En tout depuis que sur je live? Tetris. Ou sur un jeu en particulier? Depuis que tu live. Bah, je sais pas, il va me répondre, mais je sais pas. Musa est platine alors qu'il essaye de se suicider. C'est pas faux, ça. Bon, je vais attendre que Pépère il me renvoie une. En fait, je suis platine parce que j'ai fait 3 photos. Parce que t'as livré le fourgon aussi. Il a fait 3 photos. Non, c'est. Non, c'est Fox qui a livré, ouais. Il fait nuit, moi je remets la capote, hein, le temps qu'il m'envoie le. Je regarde un petit peu. Ouais, en tout. Je crois que rien que sur Midi2Click qui existe depuis que. Un an, en fait. Ça va être bientôt d'ailleurs l'anniversaire de Gaming Live, hein, ça va faire les 1 an bientôt. Je crois que je suis à l'épisode 180. Donc déjà, tu fais 180 fois. 365 jours, tu bosses que dalle en fait. Ouais. 180 sur fois 2 heures, parce que les 3 heures ça fait un mois, à peu près un mois et demi, 2 mois qu'on fait 3 heures au lieu de 2. Donc déjà ça fait 300 un peu plus de plus les lives perso, plus des lives Minecraft, plus les lives des OPSP. Je dirais qu'en une année. Bah plus ce que tu streamais avant. Ce que j'allais dire, en une année je pense que je fais à peu près 500 heures de live. Bon, plus que ça. Plus, je sais pas. En une année, je dois faire 500 heures de live. Si là on a 180 timing meter. Bah déjà 180 fois 2 heures, t'as 360. Ouais. Plus les vidéos YouTube, plus les tournages,
plus les prépas. Oui, oui, peut-être un peu. Ouais. Est-ce que tu feras du Life is Strange 3 en Day One? Oui. Ça dépend quand il sort exactement, mais oui, normalement, oui. Je suis Life is Strange avec beaucoup d'attention. Mais on avait filé les dates l'autre coup. Ouais, mais je sais plus. Mais ouais. Mais je crois. Pardon, tu l'as. Tu pardon, l'as Witcher, du Life is Strange. Qui dit ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Tu dois être à 600 heures, je pense, nous dit Gara, c'est probable. Bah, en fait, c'est la différence d'avoir une émission quotidienne aussi. Tous les jours, lundi, enfin tous les jours, lundi, vendredi, midi, 15h. À chaque fois, on change de jeu. On peut faire 3 jours sur un jeu comme on peut faire 3 semaines. Mais c'est le but de Minute to Click, c'est d'évoluer, de faire des nouveaux jeux, de rigoler, de les présenter. Voilà, d'essayer de vous montrer du gameplay parce que les jeux sont pas forcément donnés. Et vous permettre de dire si vous avez envie de vous placer ou tout simplement en tant que divertissement. Il y a ça, il y a aussi par exemple le lundi soir, 19h-21h, War Thunder, le défi War Thunder. Et aussi les par exemple cette semaine on a fait 4 heures de live en plus mardi soir sur ma perso avec Amixem et toute l'équipe Click. Oro, vous avez reçu l'invitation? Je vous dis ça. Oui, dites-moi. Il y a non, ça plus après l'invitation. Par exemple vous avez plus de 30 épisodes de Feed the True Duke dont une bonne partie qui sont des enregistrements. Ah là donc, j'ai compris. Ah bah je te la renvoie. Compris plusieurs heures. Donc voilà, donc il y a je sais pas dans l'année je dirais que je tourne ou je live à peu près pour entre 600 et 800 heures, facile. Voilà, suite à cette question. Une émission quotidienne tous les jours, Alex Click 2015, exactement, une très belle phrase de ma part. Non mais, une quotidienne du lundi au vendredi en fait. C'est bizarre, comment on pourrait appeler ça? Une quotismaine. Pardon, une quotidienne du lundi au vendredi. Quotidienne. Ah, ça dit, je trouve Pop qui dit, je trouve que ce que tu fais à travers tes lives est excellent, Alex. Merci Pop, en tout cas, merci pour le compliment, ça fait toujours plaisir. Ouais, pourquoi je peux pas. Ah mince, t'as lancé, j'ai pas pu acheter de gilet pare-boules. Ah, pardon. Pas grave. Moi, je sors, je sais pas ce qu'on doit faire, mais je sors la Kuruma blendée. Ah, si, on doit. On t'as dit quoi Ah, oui, si, on doit aller chercher Jean-Paul là. Ah, oui. On doit aller chercher Jean-Paul, ça doit être tranquille. Ils nous disent juste, on va chercher un mec. Enfin, à chaque fois que j'étais à nous fait ça, ça se passe mal, mais là, ça va. Du ah, apparemment, ouais. Faut aller chercher un mec qui est sur une île paumée en Papouasie. Ah, ça propose quotidienne de l'arnaque. Hein. Possibilité de tips, oui, c'est possible. Par contre, je ne les affiche pas vu la plateforme Dailymotion. C'est tout simplement, c'est une possibilité que vous avez sur le site www.nexclicktv.fr. Vous avez l'équipe, vous choisissez le caster qui vous intéresse et dans ces liens, il y a les tips. Voilà. Donc, par exemple, pour moi, tu vas sur Alex Click. Alex Click, tu vas dans les liens de la page Alex Click sur le site et tu as le lien pour faire des tips. Attends Fox, je le monte. Je mets un petit point point. Ah bah y'a déjà un point par défaut. Moi s'il y en a un avec qui je compte pas c'est Fox, hein, ce genre d'un arrivé. Oh c'est celui qui a le plus d'accidents quand même. Il fait oh Fox, j'ai encore eu un petit accident. Je suis jamais le point Fox en fait. Du coup il se dit à un moment ah tiens je vais prendre un raccourci et il arrive 2 heures après du coup. Tiens mais je suis dans le métro. Dans le métro, ça propose. Non, je suis pas d'accord, Kams. Alex live plus que la poste travaille. Non, non, c'est facile de taper sur des gens qui bossent à la poste, c'est pas grave. Hein. Mais ils bossent quand même, les mecs, hein. Entre 9 et 10. Ah, ils bossent plutôt que toi. Mais... Ouais, non, non, mais. Attends, je fais un colis poste normalement demain. Moi ça fait 3 jours qu'ils essayent de me livrer, ils ont l'adresse, ils ont tout, et à chaque fois il y a un truc qui va pas. Je crois qu'on a perdu le point sur la map. Oh, il est où le point? Pas, on a un point violet. Moi j'ai un... C'est quoi, c'est un bateau qu'il faut trouver là-bas? Alors apparemment là où on devait aller, c'était tendu. Un peu tendu du slip. On va attendre à la prochaine oui, droite, c'est un point violet. Il est trop, vous allez aller prendre des 6 charcs. Moi je me dis qu'un bateau c'est sur la plage, j'ai tracé par la plage, hein, je vous le dis tout de suite. Je me suis dit bateau, vas-y, plage. Oh là, oh là, Alex, calme-toi, ouais, il y a quand même de l'eau. Kuruma blindé du désert, de la plage. Bonjour. Moi je suis pilote de rallye avec des voitures blindées. Et j'arrive quand même à casser mes voitures. Ah bah il est là le bateau. C'est moi le dernier arrivé, mais je suis en voiture blindée aussi. Oh putain! Eh les gars! Non, 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 non! Oui! Non! Oui! Oula, oula, oui! Tout va bien! Oula. Non, mais c'était pour la nettoyer! C'était pour la laver? Ah, mais elle avance plus! Votre véhicule personnel était détruit! Oh, mais lol, elle a pris trop l'eau! Oh là là, j'ai noyé le moteur! Moi, je prends le blanc, hein! J'appelle Morse vite fait, hein! Attendez-moi! J'appelle Morse, hein! Prends le noir! J'appelle Morse pour leur demander.
Ah le con. Oh c'est pas vrai. Oui, ah aucun frais. Voilà, c'est bon. Ma garantie prend en compte hein, les moteurs. Voilà, j'arrive. Mon personnage il a du mal dans le sable. Voilà. Ah bah oui. Prend en compte la noyade. Exactement. Oh cool. Des jets. Il faut rejoindre une île. C'est tout au nord. Oh là, oh là là, oh là 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 là. J'adore les bruits, le bruit du jet sur les vagues. Je trouve que c'est plutôt, le bruit est plutôt sympa. Réaliste, réalistique. Voiture amphibique, made in Alex, c'est ça. J'ai des gros GG sur le chat. Alors, je vous rappelle, vous avez un chat qui se trouve à droite du lecteur. Rentrez un petit peu, venez discuter. Là, c'est très... Au nord de la France, oui. D'accord, j'ai pas tout compris. Comment vas-tu appeler ton émission d'anniversaire des 1 an? Eh bah, tu vois, j'y avais pas pensé. Tu vas l'appeler la fille, hein. Non, mais c'est vrai, j'ai pas pensé à faire une émission anniversaire pour Militoclic. Je vais l'appeler émission anniversaire. Ouais. Non, mais au pire, en concept, on fait une émission qui est visible que par ceux qui payent. Ah ouais. Joyeux. On sera 4, ça sera trop bien. Ça dépend combien il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne. Non, mais c'est pas vrai, c'est une blague, hein, mesdames et messieurs, c'est une grosse blagounette. Oh mince, ça aurait pu marcher. Alex, y aurait possibilité que tu fasses une vidéo setup. Ah, bah oui et non en fait, parce que les setups en fait c'est vraiment personnel. Ça dépend de votre PC, ça dépend de beaucoup de choses. Si moi je vous montre combien je mets de bitrate, vous avez pas la même chose en internet. Je pense que vous voulez une vidéo de ce que t'as comme matos, c'est chaud. Ouais, je peux. Hein. Bah sachant qu'on va peut-être attendre que je reçoive peut-être le nouveau matériel, parce que là le PC va avoir 2 ans. Et Pépère avec la 660 Ti en carte graphique commence à pleurer. La carte mère est pas top. Et il va falloir que je pense sérieusement à... Voilà. Donc j'ai budgété un premier PC en me faisant plaisir. Comme il faisait 9 000 €, j'en ai budgété un deuxième. Comme il faisait 5 000 €, j'en ai budgété un troisième. Comme il faisait 3 500 €, j'en ai rebudgété un cinquième. Et tu vas arriver à... Et sur le premier que j'avais fait, j'avais mis 2 Titans, 2 CPU. Tu sais, j'avais mis un CPU de serveur dedans en mode YOLO. Didi a regardé ça, elle a fait non, mais arrête tout de suite là, ça suffit. Tu veux pas non plus mettre un gros Cooler Master, si? Ouais, bah c'est. Proxine a craché. Oh non! Ouais. Moi, oh, mais c'est pas vrai de jouer avec vous! Le mec il va se faire engueuler parce qu'il a craché, il est pour rien. Oh bah là, mesdames et messieurs, vous aurez. Il fallait faire une vérification des fichiers, cette vie. Hein. Une vidéo sur le studio Click. Ouais, c'est possible. Faudra le faire, un de ces quatre. Bon bah Braqueur est parti. Là c'est un clavier, là c'est un écran, là c'est une souris. Là c'est mon... Ah, vous verriez mon bordel les gars. Bah ouais. Il y a moi, du je peux bordel. Pas, il y a tellement du bordel. Ah mais en fait il y a blue screen carrément. Ah oui, d'accord. Alex, c'est moi ou la Web TV redouble d'activité en ce moment? Suffit de regarder le nombre de casters qui live ce midi. Je ne sais pas, je pense que je ne sais pas quoi te dire. Oui, oui, parce qu'il y a d'autres, là c'est un peu blindé ce midi partout. Mais je ne sais pas, je pense aussi qu'il y a des vacances. Il y a... Ah, c'est pas Cooler Master, mais Water Cooling. Merci! J'ai complètement planté! C'est une marque en fait. Je sais plus où j'en étais, moi. Comme je prends 8000 questions. Oui, sur... que c'était les vacances et que du coup il y avait. Feras-tu une chaîne IRL avec des vidéos IRL? Je vois pas l'intérêt, les gars, mais. Chaîne IRL, tu montres quoi? Là, je me promène, voici, je vais acheter mon. Non, pain, non, mais il y en a plein qui le font, c'est intéressant, mais je sais pas. Quand je fais des. On a le droit de dire des... qu'il y a des trucs sur Dailymotion. Quand je fais des. Tais-toi. Quand je fais des clicklogs, quand je fais des clicklogs, en fait, ils sont pas super bien regardés quand c'est des infos sur plein de trucs, donc la chaîne IRL, voilà. J'ai acheté mon pain ce matin, voilà. Il y a les vacances et soyons francs les amis, il y a le jeu. Hein. GTA ramène beaucoup de monde. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on serait sur Twitch. Ah, on a la base militaire. On doublerait sûrement l'activité encore. Bon Lester, tu es là. Mission de préparation, je vais avec toi et je vais réinviter Fox le temps qu'il relance le... Bah vous savez quoi, le temps que Fox relance, on va marquer la pub maintenant. Va falloir qu'on redouble d'activité les gars, si on veut le finir en live. Sinon, ça va gueuler dans les chaumières. Mesdames et messieurs, vous quittez pas. On fait une courte page publicitaire, on se retrouve juste après pour la suite de ce braquage, braquage numéro 5. On est ensemble jusqu'à 15h, donc don't worry, be happy, mesdames et messieurs. Bah tout simplement à... Tout de suite. Merci, un petit temps de latence chez l'équipe. Il est midi 47 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis Click et la régie ne veut plus afficher l'image. Merci régie. Ah bah c'est sympa ça, ne quittez pas, un opérateur Click va prendre votre image. Mais ça c'est une autre histoire. Je suis toujours avec Fox, Musa et Oro.
Oui. On a plus de régie. Tout va bien. Ne quittez pas. J'ai tout pété. Oui, c'est ça exactement. Regardez, je pense même que vous pouvez me voir. Ah oui, c'est bon, je suis là. Mais pour l'instant, la régie ne veut pas se mettre en place. C'est super. On adore ça, vous voyez. C'est que du bonheur. La régie, est-ce que tu veux bien fonctionner comme ça? Oui, et comme ça? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui, oui. Bip bip. Je vous rappelle que vous avez un chat qui se trouve à droite du lecteur. Ce chat vous permet de communiquer entre vous. Vous êtes actuellement en 283 sur ce chat. Et vous avez aussi le hashtag Milly2Click où il y a notamment Xav qui nous dit pour l'émission anniversaire de Milly2Click, je propose que Madame Click présente l'émission. Oui, mais je vais lui demander. Je connais à peu près sa réponse. Oui, hein, je connais sa réponse. Oui, Auro, peux-tu nous donner la réponse de Madame Click, s'il te plaît, toi qui la connais si bien? C'est sa sœur en vrai, je me suis marié avec la sœur d'Oro. Non, non, c'est bon. Allez, on y va. Donc, tactique Kuruma. Après... Entre tu te fous de ma gueule, va te faire foutre. Oui, et voilà, j'ai pas que ça. Casse-toi et bien. Allez, on y va. On est prêt. Cette fois-ci, on l'a refait. Hein. Je vous rappelle, on refait cette mission tout simplement suite à la dégueulasserie hein, de Fox. Hein. Il était là, il nous a regardé, il a fait pouf, pouf, il a craché, le jeu a pas aimé. Voilà. C'est même pas un crash, hein, c'est un blue screen carrément. C'est un blue screen. Alex est en forme, très en forme, il a hâte d'aller en week-end apparemment. Oui, mais je suis content de vous rencontrer ce week-end en fait. C'est vachement un week-end, mais non, je suis content de vous rencontrer. Non, ceux qui seront là, je suis content. En plus, on aura sûrement, on aura une partie click. Alors bon, la Gavicon, c'est complètement foiré. Je sais que j'ai Madame Click qui sera là, dans le coin, et de ce fait-là, je pense ils ont mis un stand avec... pour ta femme. Un stand pour ma femme, ils ont rien pité, j'ai rien pité. Ma femme elle a un stand, elle me fait moi je veux pas un stand hein, mon gars. T'es mignon, moi j'accompagne, c'est tout. En fait, il est barré tout seul. Allez, monte Fox, on fait une place entre nous deux. Musa il s'est barré sans Fox. Ouais, Musa il a dit je mais Musa, pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que Fox il va encore avoir un accident de moto. Bah oui, alors même si c'est moi qui conduis, je suis sûr d'avoir un accident juste parce qu'il sera derrière. Le porte-poisse. Oui, c'est le cinquième braquage toxique. Et donc, ouais, non, je suis content parce que j'aurai le temps de vous voir, discuter avec vous. C'est pour ça que j'aime bien les conventions en fait. Ça demande du temps, c'est fatigant. Mais en même temps, ça me permet pour ceux qui ont envie en vrai de rencontrer l'équipe. Alors, ce week-end, il y aura WAM. C'est qui Wan? C'est un nouveau? Il y aura Musa, Snyder, Jinta, Titoon. Voilà. Et donc ça permettra de discuter. Moi ça me permet aussi de voir des copains comme Amixem. Comme ça on se voit en week-end et tout. C'est sympa. L'occasion de se voir. Même si on s'est déjà vu et qu'on avait bien déliré à la Paris Games Week tous les deux. Ça permet vraiment de vous rencontrer, de prendre le temps. Voilà. Moi je suis pas pressé. En fait pendant les. Merde, je suis planté de chemin. Pendant les convs, moi je suis pas pressé, hein. Je prends le temps qu'il faut pour discuter avec vous, se poser. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas les conventions, qui trouvent que ça fait trop commercial. Moi après, je vends rien. Donc de toute façon, bah non, je vends rien. La seule chose que je demande à une convention, c'est de prendre en charge mes déplacements et l'hôtel. Bon là, c'est sur place, bon, j'habite là. À Nantes donc. Tu vois, je leur coûte pas très cher, au gars. Là, tu te fais arnaque. Bah, sachant que dans une convention, en fait, nous on n'est pas. En tout cas, je connais pas de youtubeurs qui soient payés pour venir en fait. On leur paye le trajet et l'hébergement, ce qui me semble normal puisque la convention, elle fait de l'argent. Elle est fait du pognon. Donc, nous, c'est le moyen de vous rencontrer. Après, c'est pour ça qu'on prend du temps aussi avec vous. Ça me rappelle une convention en fait, la première, le Toulouse Game Show qu'on avait fait, le Toulouse TGS, ouais. Le premier TGS. Regarde, Amixem joue à GTA V. Je vous donne des infos croustillantes. Le premier TGS qu'on avait fait, moi je me rappelle qu'un papa dans une file d'attente était venu me voir en m'engueulant en disant ah merde qu'est-ce que je fais moi en me disant ouais vous arrêtez de faire vos princesses, vous vous dépêchez, il y a trop d'attentes. Et je lui avais répondu bah la moindre des choses, je sais qu'il y a beaucoup de monde mais la moindre des choses c'est de prendre 5 minutes avec chacun parce que sinon à quoi ça sert. Voilà, bref, bon voilà. Pourquoi ils sont noyés moi les super des merdes à l'attaque. Et oui, j'habite à Nantes. Il y en a toujours qui font bon, t'habites pas à Paris? Non, les studios Click sont à Nantes. Hein. Le studio Click, c'est ma maison réadaptée avec fond vert, projecteur. La première fois que j'ai annoncé ça à ma femme, je lui ai dit ouais, tu vas voir. Quand j'ai tout mis en place, elle m'a dit non, mais ça dégage de la maison tout ça. Je lui ai dit, ouais, mais chérie, regarde, je gagne 8 millions d'euros par mois. Et là, bizarrement, elle était OP. Pour les 1 an, c'est ta fille qui présente. Non. Oh, non, ma fille restera toujours en dehors de ça. C'est un truc qui est important pour moi, c'est garder le... Ma fille n'a pas à subir mon travail.
Donc ma fille... Tu verras dans 15 ans quand elle voudra s'y mettre. Certains d'entre vous, ouais, peut-être pas, hein. Peut-être qu'elle aimera autre chose, elle fera ce qu'elle aura envie, quoi. Dans 15 ans, ça sera salut, c'est Click, le cinquantenaire, bonjour. Oh, j'aurai 45 ans dans 15 ans, les gars. Taisez-vous, quoi. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous bien. Il y en a certains d'entre vous, d'ailleurs, qui m'ont déjà croisé dans Nantes avec ma fille et qui m'ont envoyé des messages après en disant « Ouais, t'étais en famille, j'ai pas osé, j'ai trouvé ça très cool de votre part, en fait. » Même si venir me voir vite fait, ça m'arrange. Il y en a aussi certains que j'ai chopé en train d'essayer de prendre des photos de ma fille et de ma femme dans Nantes avec moi pour essayer de les poster. Je peux t'assurer que je les rattrape en 2-2. Tu me prends cette photo, tu me la supprimes. Sinon, je me fâche. Oui, c'est vrai que j'avais peut-être publié une photo de Pierre nue sous un tablier. Mais rapide dans un live, il m'avait dit, il me l'envoie, il me fait, on est en live, faut pas la publier. Tu sais, il m'avait fait ça, on était en live Borderland, il m'avait dit, ouais, je te l'envoie pour rigoler, on était en live, il fait, ouais, je l'envoie à Alex, il va se marrer, non, mais il ne la publie pas. C'était du crew. C'était du crew. Ah oui, The Crew, peut-être. Ouais, j'étais là. Ah, ça dit, j'ai le même âge qu'Alex. Oh, je vais sur mes... Enfin, j'ai pas vraiment 30 ans, je vais sur mes 29 cette année. J'ai un an avant de dire que... T'as bien de la chance. Que je suis trentenaire. Taisez-vous, vous avez 35 ans, c'est dur, vous. Oui. Ce salaud, il rajoute de l'âge. J'ai un mois pour me dire que je suis pas bien. À quand en retour, Captain Click, sur Elite Dangerous? On a énormément de choses à faire, je sais que... La différence en fait par rapport à d'autres personnes qui sont juste posées sur un jeu, c'est que Melee to Click, le but c'est de changer régulièrement. Bon là, il y a un gros coup de cœur pour GTA. Et c'est vrai qu'on a du mal à revenir en arrière parce qu'il y a d'autres jeux qui sortent après. Donc Elite, j'avais prévu de faire plein de trucs. Sauf que l'actualité rattrapant, on fait pas que du triple A, mais on en fait pas mal. Parce que le but c'est quand même, vu le prix des triple A, c'est d'essayer de vous en montrer un maximum pour vous faire un avis. Et là, voilà. Salut, t'es jeune en fait. Pour quand la rediff de mardi soir en mode RP, ça sera demain à 18h. Donc vendredi. Ça devait sortir ce soir et j'ai eu un petit souci de montage cette nuit. Le fichier est un peu parti en cacahuète, donc avec Amixem on a décidé de faire de le rediffuser demain. Si ça se passe bien, la barrière des 30 ans, t'inquiète. Mais j'ai pas peur. C'est juste que je veux ma voiture de luxe avant mes 40. Donc soyez sympa, bourrons les pubs. Bon, alors là on est là, mais il y a l'air d'avoir des points rouges, les gars. Ça se passe pas comme prévu. Bah ouais, t'avais dit que ça serait sans accro. Ouais, ils nous ont dit va chercher un mec. Donc faut quoi, faut les buter. Attendez, tirez pas. Hein. Je suis pas là. Les gars, non. Oh non, qui? Qui? C'est pas moi. Ah, j'ai tué le pilote de l'hélico. Ouais, mais non. Allez, go, bah go, mais safe, les gars. Vraiment safe. Deuxième hélico, éclate-le. Vraiment safe, à chaque fois. À chaque fois, on dit attendez, on se met en place, et là ça t'entend ting. Oh, mince, oh là, ta roquette elle a un peu merdé. Je crois que t'as raté le pilote. C'est pas moi. Voilà, il nous emmerdera plus. Par contre, faites gaffe, jouez la safe. Hein. On la refait pas 20 fois, on a que 3 heures, les gars. On a que 3 heures, tu sais. On a que 3 heures, après c'est fini. Je me fais plomber, je sais pas où là. Ah, moi aussi. Possible, et sinon, mets-toi à couvert, Jean-Paul. Tout va bien. Je vois pas quand je les fous, normalement je gagne des RP, mais là je les vois pas du tout. Non, non, pareil. Visiblement c'est la police en plus. Hein. Ça va péter. Ah non, okay. Ça va péter, le mec il lance des grenades qui foirent, c'est la nouveauté quoi. Un bidon, mais. Bon, je vois plus rien, les gars. Non, j'ai les branches de l'arbre là. Donc on le récupère et on se casse. Bon, on a 3 étoiles, mais ça a pas l'air de. Y a pas l'air d'avoir de renfort. Quelqu'un a une visu sur quelque chose? J'ai un visu sur que dalle. J'ai un visu sur que dalle. Et comme ils te plombent la gueule, eux ils sont quasiment en visée auto sur ta tête. C'est assez chiant. Ah voilà, ça a pété. Au fond. Il est pas mort. Faites gaffe, y'en a peut-être d'autres. Faites gaffe quand même, rushez pas, il y en a peut-être d'autres qu'on voit pas pour l'instant. Donc, don't rush, don't déconnade. Bon, on n'a pas trop bouffé, je me suis mis en vue FPS pour vous faire plaisir. Qui est plutôt pas mal en cas de FPS. En cas de FPS. Non, c'est bon, ça a l'air clean. Ok, bah je rentre en premier. Non, fais gaffe, il y a un mec dedans. Éliminer les, oui, derrière la baraque peut-être. Il reste des flics encore.
Là, derrière la baraque. En fait, le problème d'aller au CAC, il y a un mec là. Le problème. Mais ouais, mais ils te mettent des têtes en fait. Eux, ils ont la visée auto, donc ils te mettent des têtes tout de suite. Je rappelle qu'on n'est pas en visée auto. J'y arrive pas mort encore. Eh, Jean-Pierre, mais crève un peu là. Oh là là, c'est un bonhomme quoi. Ah bah voilà. Voilà, ok. Bon, je vais récupérer Johnson. Ah. Qui c'est qui est rentré? Enfin, j'étais caché derrière une caisse. C'est cool. Bonjour, nous venons vous récupérer. Il est mort, Alex, t'acharne pas. Ah, dans le doute, moi, dans le jeu. En fait, le problème des bots, c'est que le jeu, à la base, sur console, pouvait mettre la visée auto, ce que je pourrais mettre sur la manette. Nous, enfin, personnellement, je trouve ça, je sais que l'équipe est pareil, on préfère jouer sans la visée auto. Ce qui fait qu'en fait, les bracos, c'est plus long. Mais faut qu'on se barre avec. C'est pas fini. Oh lol. Visiblement, non. Attends-moi. Moi, je prends le jeune. Ok, hop, dans le bateau. Il y a la police. Oh la vache, lol lol lol. Allez, démarre, il y a des flics. Hélico. Mais on va où là? Oh là là, oh là là. Je sais pas. Ah, c'est pourquoi c'est Fox qui conduit? Mais on est juste mort, les gars. Je vous le dis tout de suite. Quand Fox conduit. Il y a toujours des victoires derrière. Ouais, ouais. Mais je crois qu'à un moment il va arrêter dessus. Je crois qu'il brûle. Ouais, il brûle un peu, mais le truc c'est que moi je suis derrière, j'ai déjà débattu. J'ai pas accès, il est juste au-dessus de nous, j'ai pas accès. Il va s'écraser, il va s'écraser, attention à vous, il va s'écraser. Non, non, mais il s'écrase pas, il y a le pilote, je sais pas ce qu'il fait. Ah non, c'est bon. Ouais, je sais pas. Oh là là, oh là là. Vous allez pas. Oh, mais il est sérieux. T'es mort ? Non, c'est sur la plage. Non, non. C'est bon, là il tombe. Oh, vas-y, Fox, cartouche, on il est a atterri, là. Non, mais t'es pas sérieux, on remonte la rivière. Fox, c'est par là, t'es sûr? Bah, moi j'ai l'impression, j'ai ouvert la carte et c'est à l'autre bout de la rivière. Ok. Ah, ça dit Fox au volant, mort au tournant. Ah, bah là en plus. Non, non, ça va, j'ai confiance. Fox, tu sais que j'ai toute confiance en toi. Et on va pas passer là. On passe là? Je crois qu'on a pas le choix. Non, mais lol. Ça passe. Oh le. Jet ski derrière. Ouais, ouais, bah vous, ça va, vous avez des trucs puissants. Nous, on est avec un bâton de la police. Ça part dans tous les sens. Tu peux nous mettre un coup de sirène? Ouais, c'est vachement coincé, de la sirène. J'ai mon jet ski qui est coincé sur la plage, du coup. Ouais, trace, on s'en branle. Ils sont sur le pont. Tu vas juste livrer de toute façon le gars. Attends, je regarde la carte très vite pour te dire où on va aller en fait. La cascade, c'est pas sûr que ça monte. Hein. Ok, c'est super. Je prends peut-être un gauche. Quelle cascade? Oh lol. Mais c'est pas montable ça. C'est montable. Oui. Oh là là, oh là 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 là. Oh, allez. Fox, après on aura de la. Est-ce qu'est-ce qu'on fait? On prend des voitures très vite ou pas? Parce que j'ai regardé le point, ça a l'air d'être après. Bah, à mon avis, ouais, faudra prendre des bagnoles. Il est mort. S'il y en a un qui peut aller devant, peut-être en jet ou. Bateau. Et récupérer une bagnole. Mmh. Parce que Musa, il est toujours pas avec nous, c'est ça? Ici, si, j'arrive. J'arrive. J'ai pris un taxi, les gars, j'ai trouvé un taxi bateau. C'est agréable dans cette ville. T'as moyen de me mettre un point quelque part, savoir où je descends? Je vais te dire ça tout de suite. On va se mettre quoi? Il y a des docks là. Là-bas. Il y a des docks? Ah, je te vois, ouais. Ok, je t'ai mis un point. Je prends le bateau, je vais le platine. Je peux pas. Voilà, ok, c'est good. Je t'ai mis un point rose, on va se mettre là. Je vais essayer d'abattre le bateau avant. Je vais essayer parce que je suis quand même le meilleur. Mais non, pas de la bombe collante, ma gueule. Je veux pas lui envoyer des bombes collantes, pas un fusil détresse. Ouais, ouais, au dock les premiers. Bah, tu m'as dit j'ai des docks, moi j'ai mis un point là. Je descends au dock. Bon, il s'en branle le bateau qui nous suit. On descend là, tu chopes une bagnole et on se casse. Vous avez une bagnole, mais je sais pourquoi pas si tu tires de tu tires pas tu tires depuis le bateau. Pourquoi? Ok, merci Timoth. Pourquoi j'ai pas mis la vue FPS? J'en ai pas la moindre idée. Écoute, t'es badass la cascade. T'as une bagnole qui est prête pour nous? Ouais, il y en a une juste quand vous arrivez. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de vous couvrir à pied ou là donc là faudra échapper en voiture à la police. Fox, tu fais pas le con. Hein. Allez, on sort parce que je crois qu'il te suit le mec de ce fait là. Je crois qu'il veut pas sauter de l'autre côté du bateau, surtout. Ah, et il est plongé derrière. Ouais, y a une bagnole là. C'est notre voiture, moi. Ok. Fox, tu conduis ou je conduis? Non, vas-y, conduis si ça te fait plaisir. Non, oh, Emile, ça m'a. Il y a des morts au tournant, donc. Oh là là. Allez, montez, les copains. Je vous attends en haut, moi. Toi, tu montes à l'arrière, monte à l'arrière, monte à l'arrière. Il va monter devant comme ça. Ah, c'est le jet ski de Musa. Non, c'est un jet ski des flics. Ok, tout va bien. Allez, on se casse. Ah, attends, j'ai de la place derrière.
Dépêchez-vous. Quoi, t'as de la place derrière? Mais monte. Dépêchez-vous, il y a du temps, il y a 5 minutes. Mais monte. On a 5 minutes là, faut qu'on se barre. Il y a deux fauteuils derrière. Ouais, ouais, non, mais lol, il est dehors, lui va se faire shooter. Ouais, ouais, j'arrive. Il y a 5 minutes. On doit aller, mais ça a pas l'air d'être à côté. Oui, ça c'était ma voiture. 2 km. Mais on a les flics. Ah oui, j'ai un point. On a les flics. Pourquoi ils nous ont toujours là? Merde. Prépare-toi à tirer, Fox. Hein. Bon, allons sur le point, on verra bien. De toute façon, on a personne au dessus là. Si jamais on a des hélicos, Oro, tu t'arrêtes, tu les cartouches. J'ai rien pour cartoucher les hélicos. Ah, fais chier, moi j'ai, mais putain, je suis bloqué. Mais barre-toi, Jacqueline, tu vois pas qu'on est dans la merde là? 1,6 km. Mais non, d'où il est tombé? Je t'ai dit qu'il fallait pas le mettre à l'arrière, putain, Fox. Oh, mais c'est pas vrai. Oh les boulets. Mais moi avec. Allez, montez les gars, on y va. Tout va bien, on gère de la fougère, 4 minutes, on est déboulé, putain. Qu'est-ce que vous faites Tout va bien, t'inquiète pas, on gère. On gère de la fougère, t'inquiète. On gère que dalle, tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu comprends pas qu'on est toujours les flics alors qu'il n'y a pas de... Mais pourquoi on a toujours les flics là? On aurait peut-être dû s'arrêter après en bateau, je sais pas. Ok, il y a faut semer la police. Ok. Il y a des hélicos là. Lui, faudrait me le cartoucher, Oro. Si t'as moyen de t'arrêter, bah tu sors et tu me le canardes. Dans l'idée. J'ai le canard. Oui, mais non, j'ai perdu Fox. Ça va bien, monte. Oh non, ma voiture. Mais non, il s'écrase sur ma voiture. Oh, Jackie, monte. Récupérez vos billes. Ouais. Oh là là. Équipe de boulet, on a plus Musa depuis 3 heures. Ouais, non, mais je peux plus là en plus. Non, ça va, j'suis en train de semer les flics. Parti en cross au milieu de la montagne. Ouais, mais moi le problème c'est que la voiture est merdique. Faut juste que tu ramènes vos billes. Non, mais je peux pas la ramener. Je vais mourir, je vais lui. Ah, je vous l'ai dit, fallait me laisser conduire. Ah, mais qu'est-ce que vous êtes en bas? Pourquoi vous êtes en bas? Mais parce que j'ai pas le choix, je peux pas monter par la montagne, Jean-Pierre. Le véhicule veut pas et dans ce cas là je perds Fox. Oh, mais il laisse Fox en bas. Mais non, parce que le perso il est raccroché à Fox. Et comme Fox sait pas conduire et a pas le permis, on est dans la merde. Et comme moi je suis un gros boulet, on est encore plus dans le caca. Et comme Musa n'est pas là, et bah les souris dansent. Et comme Oro cartouche des hélicos, et bah maman fait du gâteau. Voilà, est-ce que c'est clair? Alors je vais essayer un trick. Je vais essayer un trick shot. Ouais, ils sont encore sur nous. Mais t'inquiète. Ils se cachent dedans et ils vont savoir qu'on est là. Trick. Marche, fonctionne. S'il te plaît, pour une fois. S'il te plaît, pour une fois. Trick. J'ai personne aux alentours, ils ne peuvent pas savoir où je suis. Trick. Y'a pas une bagnole aux alentours, c'est chiant ça. Bordel de couille. On est toujours dans le caca. Ça part en steak. Voilà, c'est bon, tu bouges pas. Non, ils savent pas qu'on est là. Si on est en clignotant, ils savent pas qu'on est là. Non, c'est... Ils vont à la dernière position commune. Oui, t'inquiète, une 50, allez, dépêche. Non, dépêche. Une 50, ouais, moi il faut que je bouge par contre, parce que là, je vais mourir bientôt. Allez, pépère. Ah putain, ils vont venir à pied, je suis Allez, pépère, non, tout va bien. Allez, pépère. Crois-y, Fox, crois-le. Crois en moi. Parce que sinon, je vais mourir, alors. Allez, pépère. Où est les poupinous? Allez, disparaît. Disparaît, je bombarde. Disparaît. C'est sur moi j'ai l'hélico. Allez, disparaît, barrez-vous les gars, barrez-vous. Disparaît, bombarde. Non, c'est que moi. C'est que moi. Disparaît, bombarde. Allez. Allez, disparaît. Disparaît. J'y suis. C'est là où je dois aller. Oh. Mais lol, je savais même pas que c'était ici. Oh lolo. J'ai trouvé une grange, les gars, je me mets dedans et c'est la grange où on doit être. Mais c'est Nawak, mesdames et messieurs. En direct pour vous de Nawakland. C'est n'importe quoi. Ah, tous les personnes n'y croyaient dans les viewers. Oh mais lol. Oh là. Oui, alors je rappelle pourquoi vous n'avez pas les miniatures tout de suite. C'est tout simplement comme c'est du 60 FPS, YouTube met à peu près 14 semaines à les traiter. Et 14 semaines, voilà. Donc soyez patients, ça arrive à chaque fois. Voilà. Voilà. Bon, c'est cool. Ouais. Bon, celle-là, elle est passée un peu crème. C'est cool. Pourtant, j'ai jamais conduit le gars. Putain, ça dit le GG épique. Putain, mais je trouve une grange, je me dis. J'en suis certain, quand tu te caches dans un truc, s'il ne tombe plus, c'est pas la dernière position. C'est la dernière position où t'as croisé une voiture. Donc, il quadrille la zone. Ça dit le roi de l'arnaque a encore frappé. Ouais, non. J'étais certain qu'en me mettant là-dedans, ça allait clignoter. Bon, certains à 80%. Mais par contre, savoir que c'était notre point final, alors là, c'était juste tellement de chat, les gars. Mais alors, tellement de chat. Ouais, putain, il y a qu'une grange dans le coin. Bah ouais, mais bon, je savais pas vu sur la carte où on devait aller après. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais.
Oh là 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 là. Je suis fier de moi, dis donc, c'est la première fois en 4 ans de ma vie. Ça a quelque chose. Mais ouais. Parce que j'avais bien démarré en faisant de la merde. J'ai perdu Fox 3 fois, le colis 8 fois. Non, non, c'était vraiment oui, un... La chance ultime, ça dit, mais grave, les gars. Bon, mais j'attends que Jean-Pierre. Hein, mais j'ai mis une protection ultra lourde et le dernier accident qu'on a eu, il me restait 10% de vie. T'as maintenant, il me met toujours mon casque rouge, je veux le noir sur cette moto. Il est chiant. Tu sélectionnes avant de monter en fait. Ouais, mais c'est chiant si je dois resélectionner à chaque fois. Lester, continuez la mission de préparation. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. On va partir sur la prochaine mission de préparation. Je crois que c'est du hackage. Nous allons devenir des hackers célèbres. Alex, tu sais que tu peux éteindre les phares de ta voiture. Ouais, ouais, je sais. Ah, ça propose que j'appelle ma femme, voir si elle n'est pas avec un autre homme. Oui, non, mais ça va, j'ai confiance. Ne vous inquiétez pas. J'ai raté un truc important. J'étais allé manger. T'as tout raté. Ah, là, t'as raté. Faudrait que tu regardes la rediff. Hein. T'as raté. C'est-à-dire qu'il a raté sa vie. Ah, t'as raté ta vie. Non, c'est pas grave. T'as raté un moment épique. Assez épique, je trouve. Je crois que ça faisait longtemps. J'ai failli inviter un Mixem. Allez, je vire l'un de vous, je prends un Mixem. Oh, c'est mort, là, on réussit plus aucun braquage. Hein. Il va vouloir discuter avec tout le monde. Bonjour, c'est moi, c'est Mamadou. C'est Max Madou. Moyen de parlementer, C'est possible de me donner de l'argent. Bon, les invites sont partis, les gars. Ouais, mais j'ai pas reçu, j'ai trop d'invites. Je vais regarder direct dans le menu invite. Ami. Non, j'ai pas reçu. Bon, Musa est là. Pour une fois, Musa est là en premier. C'est bon ? Ok, ouais, Fox, ça, tu as. Je reçois mal. Ouais. C'est pas la Hey Chat, c'est la Alex Chat. Merci, bonjour. Bonjour à vous, bienvenue sur le chat. Oui, on la clique ça. Trop le lag pour vous regarder, je regarderai la rediff. Nous dit Sniff Kylian sur hashtag MeToClick. Bah désolé, essaye peut-être en moins bonne qualité. C'est un peu le problème qu'on a avec Dailymotion. Avec Daily Torchon. J'ai le nez qui gratte, hein, excusez-moi. Ça va, vu comment j'ai canardé, je paye 108$. Ah la vache, je dois avoir quelque chose dans le nez. Quelqu'un m'a mis des abeilles, qui sont, mais ça gratte. Des abeilles. Ah, j'ai le nez qui gratte. Et vous savez ce qu'on dit, hein. Tu t'endors avec le nez qui gratte, tu te réveilles avec de la morve plein le nez, mon gars. Alors, j'ai inventé un nouveau truc tellement nul. Oui. Un golf aujourd'hui, Alex. On verra peut-être pour faire le. Si on a fini, non, mais, ça va être chaud. Mais demain, sinon, on refera golf, tennis, mais surtout, on fera les sauts. Vous savez, il y a 50 sauts à faire. J'en ai déjà fait un certain nombre. Et il y en a encore. Yes, you're doing good. Just three more little tasks to perform, and we should be good to go. First, we're going to need some hacking equipment, the kind that nobody makes, and the sets that are. Pardon, il parlait Lester. Moi, j'écoutais le chat. Il m'énerve. Ouais. Il m'énerve. Je l'écoute plus. Il écoutait le chat. Oui, j'écoutais le chat. Bank robbers. These guys. Now they've set up a warehouse behind Vinewood Boulevard. Maybe they're getting some of the same ideas we are. Now I recommend that you get the same van they have and switch out the equipment. And that way when you make the run, they'll go chasing after their own van and one of you can get away clean with the equipment. And at the same time, we'll need these thermal charges. Tout va bien. First vault door. Now, Meriwether, with whom I understand you are very, very well acquainted. Oui, on les a peut-être braqués déjà une fois, monsieur. Regular contract to carry explosives across the city for their mining company. You will attack the convoy and Calafia Bridge. Take the charges. Ça, tout là-bas, alors, c'est ils sont en bas, quoi. Lastly, we're going to need some bikes. Du matériel de piratage et une équipe. Moi, ce que j'aime, c'est quand même qu'on va faire un braco en moto, les gars. Non, ça va, prends des aises, surtout. Ouais, bah ouais, eh oh, oh, ah bah, les gars, vous me faites penser, on brûle la commode, là. On le brûle, hein. Non, non, vas-y. L'autre, il se met en mode pin-up. Non, on la brûle, les gars. On brûle le fax, d'ailleurs. On brûle tout, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on déménage, en fait. Venez, ce qu'on fait, on déménage, parce que... Marc dans cette production. Ah, ça propose, il y a Monsieur Nos qui dit qu'il marche, Lester, comme s'il avait une couche pour l'incontinence. Je sais pas, d'ailleurs, Monsieur Nos, comment tu sais... Comment on marche avec une couche. Petite joke, je te fais des bisous, Nose. Allez, piratage, les gars, on est parti. Braquons des braqueurs, ça dit. Braquons des braqueurs. Ouais. Ça fait très Ocean. De braqueurs. Ça fait très Ocean 11. Et vous voyez... Ah, on a enfin des cagoules. Ouh, on a des cagoules. Ah. Ta cagoule. Et qui dit cagoule? Ouais, pourquoi? Attendez. Pourquoi on est deux équipes? Leurre ouais. Et transporteur. Moi, je suis transporteur, d'accord, et vous êtes des leurres. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qui dit cagoule in-game, messieurs, dit
Cagoule IRL. Mais bien sûr, ne quittez pas, un jeu m'équipe, je ne voudrais pas être reconnu, mesdames et messieurs, ne quittez pas, je m'équipe. Attention, je reviens pas, moi, parce que c'est ma version cagoulée. Attention, ne quittez pas. La version cagoulée, bien évidemment. Ta cagoule. Il a l'air de galérer, sa cagoule une demi. Voilà, voilà. Putain, je vois rien. Voilà, voilà, je suis prêt. Ah ouais, mais si tu vois rien... Tout va bien, tout... ne t'inquiète pas. Ouais, si vous nous rejoignez, d'ailleurs, je ne peux pas donner mon identité car je suis en plein braquage. Je vais braquer des braqueurs et dans le métier, on se connaît bien, plutôt bien. Attendez, je voudrais pas qu'on reconnaisse mon coup, quand même, voilà. Voilà, voilà. Voilà. C'est super agréable et super pratique. Là, si je viens chez vous et que je vous braque, vous me reconnaîtrez jamais, sauf si j'ouvre ma gueule. Je t'ai braqué, clic, je t'ai reconnu. Oh merde! Ce que tu fais, c'est que tu fermes ta gueule. Vous êtes... Qui c'est qui est pas prêt? Fox. Fox, comme d'habitude. Je suis prêt. Et en fait, ce qui est affreux, c'est qu'en fait, c'est un bas. Et avec la barbe, en fait, j'ai la barbe qui ressort du bas et ça gratte. Ça gratte. Oui, tout va bien. Je devrais essayer avec un... Il va mourir, oui, il va mourir. Putain, je vois rien. Elle est où ma moto, les gars? Oh là là. Pourquoi je me mets de la difficulté comme ça? C'est là, vas-y. Oui. Je monte avec montez, toi, montez, n'ayez pas peur. De tenir le... Je me mets de la difficulté. T'as mis ton casque. Ah, oh, je vois rien. Je vois rien. Je vois rien, mais si, ouvre les yeux. Ah, il fait nuit. Ah, tu vois un point peut-être. Non, j'ai pas besoin. Écoutez, je fais ça au radar. J'entends les voitures. Si elles sont trop près. J'entends. Dites-moi quand faut tourner. Hein. Mec, dites-moi quand faut. Gilbert Montagné sur une moto de sport, tu vois. Gaz. Je vois, mais c'est galère, les gars. Je pense que ça va être complètement épique là. Moi j'avais promis qu'on ferait une session cagoule. Y'a pas de raison que mon personnage porte des cagoules et pas moi. Non, non, on meurt pas, vous inquiétez pas. Je vais gérer. Là t'avais le temps encore, regarde, là on est pas cagoulé là. Ouais, mais je préfère anticiper, on sait pas s'il y a des taux. Foxine pourrait donner mon identité alors que s'il a fait une photo. Ouais, tout va bien. On va pas du tout commettre un braco, tu sais, le gars en moto, il se cagoule de chez lui et tout. Ah, y a un hashtag Militoclic qui dit Alex. Attends, j'arrive pas à lire, c'est affreux. Alex en mode. Attends, parce que je conduis en même temps, j'en peux plus. Hop, hop, hop. Oh là, on a failli percuter un musarène. Faut qu'on arrive là. Faut tourner là, ouais. C'est chez Lester qu'il faut aller. Oh, je reconnais même pas la carte là. C'est bon. Ah, Fox, c'est what the fuck? Oula, Fox est déjà là. Et donc, moi je suis le conducteur ou je suis quoi? C'est qui conduit? Visiblement, on rejoignait le fourgon, on doit tous monter là-dedans. Ok. Ah bah je monte. On peut monter à l'arrière? Bah j'imagine, sinon les... Oh lol. Eh, hey, y'a des PC. Mais attendez. Alex, ouais, en mode travelo. C'est qui a des accidents là avec... Mais je suis pas un travelo, je suis un cagoulé. Alex, sans la cagoule, tu ressembles à Fred. Sans la cagoule, tu ressembles à Fred Testo et avec... J'arrive à rien lire. Et avec Fred Testo, tu ressembles à Omar Sy. Non, sur la cagoule, tu ressembles à Fred, et avec, tu ressembles à... Mais là, le musa, il a sauté. Oh, mais arrête. Mais musa. Mais non, on a dit pas de fail. On peut ouvrir les portes. Eh, hey, les gars. Oh non, Fox, il vient de péter. Ouvrez les portes, les gars. Il a pété. Il a pété. Ah, faut aérer, là. Ah non, non, faut aérer. Voilà. Mais là, c'est fait. C'est moi qui ai pété la vie. Non seulement je vois rien, mais. Non, on a dit sérieux, les gars, pour une fois. Je vois ce camion à droite là. Faites des trous pour les yeux, ah, là, je peux pas là. On s'en fout du camion à droite. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ah, allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois rien. Ah, les gars, et j'espère qu'il faut tirer sur personne après, hein, parce que ça va être. Bah, on doit braquer des braqueurs, donc à mon avis, on va tirer. Non, mais on va leur dire, s'il vous plaît, déposez les armes. Attendez, j'appelle Amixem au téléphone, il va négocier pour nous. Si tu veux juste le mec, il a pas compris que c'était un jeu. T'as Amixem qui fait bonjour, monsieur. C'est pour. Ah, ça gratte. Ah, ça gratte. Mets la vue FPS, Alex, promis. Je la mets. Mets-la dans le canon. Voilà. Regardez. Non mais les gars, eh, franchement on se marre pour pas cher. Hein. Ouais, hashtag ouais, team de boulet, LIS à boulet, exactement. Oui, on entend pas. Vous m'entendez pas? Sur le chat. Il y a des enfants qui jouent mais avec, si vous m'entendez. Qui reçoivent un cadeau. La cagoule bloque tous les sons de ma voix. Non, on t'entend. Sur le test, on t'entend ouais, pareil, donc forcément. Oh non, faut tuer des gens, les gars. Oh, on est ouais. Bien dans allez, la merde. Le masque. C'est bon, Alex, ah, en masque. Moi j'ai déjà ma cagoule. Oh, non, mais putain, avec le masque en VFPS, on voit plus rien. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh, les gars, je vois rien.
Et je vois rien. C'est affreux. En plus. Eh, y a des gens, ils vous testent l'Oculus Rift, moi je teste le Kaggle Rift. C'est jouer en vous mettant de la difficulté. Ah, j'ai vu passer un truc là. Y'a pas le Friendly Fire, hein. Non, non, tu peux cartouche. Est-ce que, vous voyez, y'a une rue, je fais le tour. Ouais, je fais le tour, moi je suis un ouf. Je suis un ouf. Ah, ça dit non, non, on t'entend, t'inquiète. Ah, ça envoie à Madame Click. Ah, bah bien sûr, ça envoie sur le Twitter de Madame Click. Ah, bah voilà. Mais oui, elle est au courant. C'est Claude François qui y a dit. J'ai pas mieux, les gars. Ah, attendez, je vais me poster contre le mur. Je vais mettre une autre vue. Parce que là, sinon. Pas de décès, hein. Si vous voulez, on essaie de faire une mission sans mourir, quoi. Ça sera un record. Il y a tellement de monde que je suis obligé de tirer à la jauger. Attendez, je vais leur envoyer un petit cadeau. Y'a un gars sur le toit là. Un petit cadeau des familles. Voilà. Goûte. Je vois rien, les gars. Je vois pas les joueurs. Bon, j'ai tué quelqu'un, mais T'as tué quelqu'un? Ouais. Et j'ai à vous. Exploit. Bon, là, y'a moins de monde, il reste. Tu feras gaffe, c'est qui? C'est Musa, t'as un mec qui est juste devant. Il doit être dans l'escalier, je pense, qu'il est en bas. Des escaliers, je suis à côté. Ouais, je pense qu'il est au-dessus. Enfin, je regarde. Je pense que c'est Alex. Je l'ai. Au fond, il peut le carrer. Merci, Alex. Mec sur le. En haut, il est mort. Ok, pour l'instant on gère de la fougère, les gars, faut pas déconner, hein. Pas de crash. Musa, gros, vous avez un gars à votre droite. Il y a un mec apparemment dans le renfoncement là. Non, c'est ça, il est dans le renfoncement, Jean-Jacques. Ouais, il est dans le renfoncement. On le grenade ou on le grenade pas? Il y a un gars qui est mort. Et grenadez peut-être pas, je sais pas s'il faut qu'on récupère quelque chose après, donc grenadez rien en fait. Dans l'idée, je grenade pas. Non, bah grenadez pas. Et je vois rien, les gars, c'est affreux. Déjà que t'avais du mal à jouer, maintenant c'est pire. Ouais, c'est vrai, merci le chat. Élément. Attention à la droite, là, y'en a un, Musa. Y'en a un, et faites gaffe sur l'intérieur, oh, le mec. Droite, là. Vous savez qu'il shoot, du one shot hein, quasiment, les mecs. Hein, il est là. Garde les cartons. Je crois qu'il est mort. Garage. Non, non. Ah, j'ai plus de vie, moi, je vais manger. Il est mort. Parce que le transporteur doit monter dans le fourgon blanc. Ouais, c'est moi. Mais je peux tirer ma cagoule? Non, bah non. Non, bah non. Fichier. Hein. Ah, non, bah non. Et je fais qu'une mission en cagoule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Où ta cagoule? Donc je dois prendre un camion blanc. Je mange. Bah, le camion. Ah merde, le camion qu'on a laissé. Bah, je vais le chercher. Vous inquiétez pas. Ah, c'est ma dernière protection. Je suis un professionnel. Faudrait qu'un. Et vous allez où? J'ai acheté des gilets par bout. Nous, on attend là. D'accord, moi, je cours avec une cagoule. Ça. Alors ça propose que je mette plutôt une capote sur la tête. Non, non, ma cagoule me va très bien, les gars. Alex qui voit même pas à 1 mètre. Ah non, je vois rien, les gars, je vois rien, c'est affreux. Je fais qu'une mission, cagoule. Je vous le dis tout de suite, je l'avais promis. Je l'avais promis, on m'avait mis au défi. Moi, je vais en profiter pour prendre des encas. Moi, je vais aller acheter. J'espère que je me fais pas rush après, parce que les gars, je vois rien. C'est fou. Oh, voilà, t'as fait te faire écraser. Oh, la peur de ma vie, mec. Tu viens ici, un point jaune. Ouais, je vois le point jaune. Tout ce qui est à peu près lumineux, je vois. Putain, et en plus, faut qu'on le fasse de nuit, quoi. Mais lol. On a vraiment pas de chance. En vrai, tu dois douiller grave. Non, mais ça gratte avec la barbe. C'est surtout la barbe. Okay, oh la vache. Ah, attention, désinstallation des serveurs. Ah, ça va couper. Bon. J'ai récupéré le serveur Dark RP d'Amixem. Ah, c'est le Dark RP d'Aiki. Aiki, on a ton serveur en otage. On a les serveurs OMG serve, on a Dailymotion, on a pris tout le monde, les gars. C'est vrai que c'était ça. Donc j'attends que vous trouviez. Ah ouais, cassez-vous. Oh, vous allez vous faire tirer dessus et pas moi. Enfin, j'espère. J'espère pour toi. Hein. Alors ça demande si ma femme va remettre ce collant plus tard. Je ne pense pas. Rayon France est un vieux. Eh, par contre, les gars, faites gaffe à la porte arrière. Oui, j'ai quitté la zone. Ah, on peut y aller. Donc pour info, les gars, ouvrez pas la porte arrière et faites gaffe à vous, on a que deux vies. Oui, oui, t'inquiète, on va pas. Ah, j'attends que tu parles. Non, non, mais est-ce que la porte arrière, le mec de la porte arrière va se faire ouvrir, hein. Vous savez à quel point les mecs ils one-shot, donc autant que ce soit ceux de l'avant qui tirent. Ah, oui, il y a du monde. Ah, oui. On est déjà coincé, GG à vous. Moi, c'est bon, apparemment, faut que j'aille à l'usine de Lester, elle est à 1 km, les gars. Je dois les amener de l'autre côté, ouais. Ah, bah attends, j'attends que tu sois passé devant parce que. On doit les attirer, nous, à Gugestrit. Fais gaffe, je leur tire dessus, moi. Ils viennent. Allez, venez, venez, les cocos. Je prends à l'arrière quand même, mine d'or. Ouais, mais pas couvert avec X si tu veux au clavier. Ouais, d'accord, il se penche pas. Ok, c'est good, je peux y être dans 40 secondes. 1 km 73, les gars, tenez le coup. Ah, mais clairement. On a un pilote, mon pote, on risque rien. C'est qui le pilote? Paris-Dakar au moins 500 fois. C'est qui a fait Paris-Dakar? C'est Musa? Alors, je pense, ah oui, ouais. Je prends cher derrière moi. Mais bah, ouvre pas la porte. Mais la porte est fermée. Mais bah prends cher, prends, bouffe des trucs. Non, mais je suis mort, je suis mort. Ok, mais c'est bon, il nous reste une vie, tenez le coup. 1 km 26, 1 km 26, tenez le coup, les gars. Je fais au maximum de mes capacités de pilote du Paris-Dakar, dernier 8 fois.
cible où il n'y a pas de voiture, Musa. Fox, bon, cache-toi derrière un mur. Cache-toi derrière un mur, tout va bien. Je vais me coucher. Bonne nuit, Fox, à bientôt. J'arrive. 800 mètres. 800 mètres, les gars. Ouais, tenez le coup. Nous, 800 mètres. 700 mètres. Attention, les gars. Allô, à la régie. 500 mètres. Pas 600, mais. Nous, on a encore un kilomètre. Ok, ok, tout va bien. 500. 400. J'arrive chez Lester avec le serveur de Shaiki Yu. Les mecs, les modos de Shaiki rigolent zéro. Ils nous envoient carrément des mecs armés. Armés jusqu'aux dents. C'est bon, je suis chez Lester. Je dépose. Ah, oh, il nous faut une camionnette noire et rouge comme ça. Pour faire la click team. C'est vrai que ça peut être sympa, la click team. Voilà, les gars, je vais m'excuser. Voilà. Attendez, j'enlève j'en peux plus. C'est qui fait Mr. T? J'en peux plus. Je sais pas, je m'en fous, mais. Ah, j'en complète. Ah, j'en peux plus. Bon, elle a récupéré le serveur. J'ai viré ma cagoule. J'ai viré ma cagoule, les gars, parce que. C'est là, Musa. Parce que je peux plus là. Ah, il fallait je peux clairement plus. C'est par le tour, hein. Attendez que les leurs détruisent le fourgon noir. Faut aller au milieu. Ah, il me dit lorsque vous êtes immobile dans un lieu sûr, utilisez l'interaction pour observer les autres joueurs. Attendez, je peux. Interaction. Non, c'est où interaction? Ok, détruisez le fourgon. Sortez du fourgon, ça va chuter. Hein. Ah oui, observez l'équipe. Je vais observer Musa. Tant qu'on arrive, il aura fait sortir. Alex est de retour. Ouais, c'est ça. Non, les gars, je peux plus là. Voilà. Ah la vache. Oh, je suis criblé de balles quoi. Ah la vache. Non, mais laisse tomber. C'est un vrai bas en fait. Regardez, c'est un bas. Donc quand tu l'élargis, c'est bien serré dans ta tête. Mais tout va bien. Ah la vache. On fait 20 000 encore. On est des professionnels quand même. Ouais, vous aurez fait 100 000 quoi, grosso. Grosso, on a fait 60 000. Grosso Alberto. Eh ben, on va marquer la pub. Parce que, messieurs, ça fait déjà l'heure. On est bien là, on est pas mal dans le timing. Si on merde pas trop. Un véhicule digue bloqué, déclasse burrito de gang. Ah, donc on l'a débloqué. Ah, oh, c'est le. C'est la camionnette. Donc en fait, les camionnettes, on va pouvoir faire une camionnette. Click team. Il faut que j'aille acheter des gilets pare-balles, donc je prends ma voiture. T'inviteras de toute façon à la fin de la pub. Je vais inviter à la fin de la pub. De toute façon, j'attendais juste d'avoir. Je vais aller acheter des encas et des gilets. D'avoir Jean-Claude qui m'envoie le SMS au moins. Mais on va marquer la pause. Madame Monsieur, on est là jusqu'à 15h avec vous. Voilà, Lester. Lester, mission de préparation. Voilà, et voilà. Vous qui dépensez, on se retrouve d'ici quelques instants après une courte page publicitaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se dit à tout de suite. Ne quittez pas. Vous pensez avoir vu le pire. Vous inquiétez pas, c'est le meilleur du pire qui arrive. Le meilleur arrive. Ouais, c'est ça. À tout de suite. À tout de suite. La régie a craqué. Merci, monsieur. De patienter. Il est 13h31 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis toujours Click, vous êtes toujours les viewers. Je suis toujours en compagnie de Fox, Oro et Musa. Oui. Ouais. Bon, braquage 5 avec plus ou moins pas mal de chatasses, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on n'a pas eu d'échec sur les. Non. Et plantage de Musa. Ouais, Musa vient de planter, mais c'est pas très grave, on va le récupérer. Non, il a pas planté. Ah, il a pas planté, Musa ? Il a été déco pour une activité, je crois. Ah, d'accord. Musaren ? Bah, il est pas là, donc. Nous avons perdu Musaren, ne quittez pas. Je vais l'appeler sur son mobile, hein. Je vous dis, il est parti faire la petite ou la grosse commission. Bon, je vous rappelle que vous avez, de toute façon, le son. Ça dit le son. Non, mais le son est là, les gars, c'est pas ma faute si là, il n'y a pas de musique. Que je vous dise, il n'y a pas de musique à ce moment-là dans le jeu. Mais vous m'entendez ? Bah, je sais pas, ça te dit allô. Allô, oui, mais je suis là. Le son est là. Si, vous inquiétez pas. Si, oui, le son est mais là. Mais oui, mais tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat ? Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez grossir les rangs du chat, vous êtes 303 sur le chat, il est à droite. Et vous avez aussi le hashtag #MinuteToClick sur Twitter, le petit oiseau qui fait. Oh la vache, je vais te défoncer, t'as de la chance que je te vois pas ce week-end, toi. Oh le vilain. Oh, c'est pas beau ce que vous avez fait. Oui. Ah, visiblement, il y a des. Ouais, une reproduction d'un map GTA dans City Skyline, je l'ai vu passer, mais je l'ai pas vu en entier. Voilà. Musaren ? Oui. Oui, je reconnais votre micro de retour. Je crois que vous vous êtes fait de dégager du jeu. Oui. Voilà. Je sais pas. Voilà. Ça marchait bien et d'un coup, il a décidé de cracher là. C'est pas grave. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous et on est parti. Alors il nous reste quoi à piquer? Ah oui, il nous reste quand même deux missions de préparation et le braquage. On est à la moitié, on a fait la moitié. Faut pas. On a les charges thermiques. Faut pas qu'on mollisse. Ah oui, c'est là les charges thermiques. Faut pas qu'on mollisse, les gars. Moi j'ai envie et de vous dire, faut pas qu'on mollisse. C'est quand la prochaine pub? La prochaine pub est à 14h10, 14h15. Donc dans l'idéal, faudrait qu'on fasse les deux missions de préparation et qu'on termine. Ou alors je ferais peut-être. Ouais.
vais me faire gronder si je saute les pubs. Ou alors je suis un fou, je saute les pubs. Non, on peut faire la dernière partie. Je décide de ne plus manger à la fin du mois contre du gameplay pour les viewers. Ce qui est fort probable. On fera peut-être ça, tiens. On verra. Ça dépend comment on arrive à passer les deux missions là en fait. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ces deux missions là. Et puis ça dépend à quel moment Musaren. Musaren, vous êtes de retour ? Non, en chargement. Ok, en chargement. Ok, bon. Ça va arriver tranquillement. Ne paniquez pas. S'il vous plaît, ne paniquez pas. Moi, ça me fait paniquer. Après, on panique tous. Ça me fait paniquer quand même. Pendant ce soir sur hashtag #MilitoClick, on a Alexandre qui nous envoie une photo sieste devant le live au bureau. En train de dormir sur son PC. Ouais, sieste devant le live, ça me dérange. Mais pas, c'est Fiche. Oh, bureau, c'est Fiche, il fait une sieste au bureau. Des bisous, mon petit Fiche. Oh, c'est trop mignon. T'auras une médaille, tiens, ce soir. Fiche qui est un copain. Ouais, on lui fait des bisous. Le retour de la co pour 380p, nous dit qu'il a, ouais, un coup il l'a, un coup il l'a pas. Bon, les musas. Oh, les musas. Allez, le chat. Oh, les musas. Non, faites pas ça parce qu'après les modos vont gueuler, je les comprends. Non, je suis désolé, les modos. Oh, j'ai encore de l'ouvrir. Oh là, je suis désolé. Mais non, mais à chaque fois, je glisse sur ce genre d'événement. Est-ce que je bloque le chat maintenant? Slow mode. Slow mode. Slow motion. Allez, on attend Musa, il va arriver. Tout ça, c'est des aléas. On a, alors, ce qui est assez bizarre, on a des gens qui ne crachent jamais, comme Oro et moi, sur le jeu. On a 2-3 bugs, 2-3 machins, mais c'est tout. Et on a des gens comme Fox, Musa. On a qui d'autre dans l'équipe? On en a qui arrêtent pas de cracher. Ça Joe. Y est, ça y est. Joe, c'est pas le jeu qui crache, c'est l'ordi. Hein. Je pense que c'est l'ordi qui aime pas un truc. Hein. Donc je sais pas si c'est dans le codage de chez Rockstar ou autre, mais bon, bref. Ah, ils ont dit Musa, à chaque mission il crache. Oui, hein, il est dégueulasse. Ah bah ça y est, allez fois, Musa. Quand je suis sur rien. Avec des belles fautes d'orthographe de partout. Oui. Bravo les viewers. Allez, c'était bien. Bon courage les modos de Aliga. Oui, Aliga, voilà, c'était très bien. Allez, c'est parti. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis désolé la modération, je m'excuse. La modération, il faut savoir qu'elle me cherche dans toutes les conventions, je me cache quand je sais qu'elle est là parce qu'un de ces quatre, je mériterai clairement un coup de poing dans les parties intimes afin de pouvoir me calmer. Voilà. Allez. Il y a pas ce qui disait je me suis peut-être fait kick pour une activité. Non. Ouais. En fait, parce que j'étais dans le salon Ouais, t'étais chez toi dans ton salon tranquillou. Non, non, j'étais dans le salon du jeu en fait. Voilà, je remets pas la cagoule, hein, les gars, soyons francs. Tu mets pas ton sac en papier ? Non, 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 je mets pas. Alors, je sais pas trop en fait si on a besoin de nos véhicules. Dans le doute, je prends la blindée. Il faudrait que je l'achète en vrai. Alors, dans le doute, je mets la blindée parce que c'est important. On doit intercepter un convoi. C'est ça, c'est pour ça que je prends la Kuruma blindée. Ouais, ouais, donc par sécurité, je prends la Kuruma blindée. Pour obtenir des charges thermiques. Parce que là, on prend là et on fait. On prend là aussi, puis Oro monte avec moi, Fox avec toi, vice versa. Et on se fait deux voitures blindées. Moi, je veux bien, Fox. J'ai pas le choix. Je m'en fous. Mais dans l'idée, je pense que prendre les blindés, là, c'est peut-être pas. On sait pas trop, ça se trouve, elles nous serviront pas. Mais plutôt qu'une moto et se faire ouvrir, je préférerais intercepter à la partie blindée, voyez. Là, je monte c'est celle-là. Ouais, je monte avec moi. Hop, je suis en short, moi, mon gars. Ouais, je monte avec Musa. Allez, t'as deux places derrière. Ouais, je sais, merci. Elle est blanche, elle est pas dégueu en blanche aussi. Elle est blanche et noire, elle a, c'est la plus. Moi, je l'aime bien en noir, noir, carbone. Non, c'est mais le blindage en noir, du coup, tu peux pas le changer si. Si, tu peux le changer. D'accord. J'en ai vu passer des roses et bleus. Ah, oh ouais, il y en a, elles sont totalement dégueulasses. Ça casse le carreau. Ça casse pas le carreau quand tu tires. Non, 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 tu tireras de l'intérieur. C'est normal, c'est un blindage qui laisse sortir les balles mais ne les laisse pas rentrer. C'est un blindage un peu composite, vois-tu. On a imaginé cette voiture contre le mur déjà. Voilà. voilà, bah, avec Musa, on fait des petits bisous au mur. T'as déboîté, mais il n'y a eu aucune voiture qui est arrivée. Mais si, le dans sa tête, dans sa tête. Mais non, le truc, attends, il était loin derrière nous quand il a fait le virage. Pas vrai. En fait, elle galère vraiment, elle chasse elle un peu lourde. Beaucoup du cul. Ouais, elle est très lourde, donc elle chasse lourde, du cul. Coup, elle glisse, hein. En fait, il faut vraiment, faut pas freiner avec la Kuruma, faut arrêter d'accélérer. Faut faire comme une vraie voiture de sport en fait. Quand t'arrives dans le virage, t'as arrêté d'accélérer, tu freines un peu avant, tu freines quand t'es encore en ligne droite, là tu freines, et quand tu tournes en fait, quand tu vas tourner, t'accélères en même temps. Et tu freines un peu, voilà, mais si tu freines en tournant, tu vois, elle part tout de suite en cucu de chat. Qu'est-ce qu'il raconte Lester là? Bonjour Musaren, heureusement que votre voiture est blindée hein. Oui. Tout à fait. J'imagine que le blindage a ses limites quand même. Hein. Exactement cet endroit là où j'ai sauté en voiture et j'ai atterri sur eau. Sur moi, ouais, c'était magnifique. Je me demandais ce qui m'est arrivé hein, personnellement. On va toujours dans ce coin là voler des gars. Et...
Ouais, j'attendais Musaren, voilà. Oui. J'attendais Musaren. Les voitures blindées sont déjà plus blindées avant d'arriver, les gars. Mets-toi en FPS. Ah non, non, dans la Kuruma, c'est pas possible. C'est chiant. Oh là, voilà, oh bah, au revoir, à bientôt. On prend tous des braqueurs amateurs, tu sais. Vous faites quoi, les gars? Bah, déjà, on cherche où aller braquer. Les mecs se sont barrés. Sont rentrés chez Mary Weaver depuis 10 ans. On n'est pas pilote, enfin, pour votre part, du moins. Moi, je conduis jamais comme ça, j'ai pas de soucis. Non, mais tu conduis plutôt bien. Merci, patron. Oui, je sais. Vous serez augmenté de rien. Voilà. Eh, ça gratte, hein. J'aurais pas dû faire le con avec la cagoule. Hein. J'ai la barbe qui gratte. Donc, c'est la barbe, ça va. Merci. C'est très bien, vos blagues. Ce qu'on fait, on se met un commun accord. Ouais, on, que j'arrête. On fait... C'est ça? Non, vous pouvez, mais dans votre tête. Donc au pire, on vous entendra juste rigoler tout seul. Mec, c'est complètement débile, tu comprends pourquoi. Non, vous m'avez dit que je pouvais plus les raconter, mes blagues, mais moi, je les trouve très drôles. Oui. On va toujours dans le même coin, t'as raison. Rigoler pour rien, tout seul. Bah, ça, c'est oh là là, je me suis raconté une blague de Toto, mon gars, dans ma tête. C'était top. Ouais, mais elle est blindée, donc après, on va peut-être kiffer d'avoir la blindée. Ça dépend ce qu'on doit faire au bout. Quoi. Ça dépend si les mecs en face sont en lance-roquettes. Et là, ils vont dire, ah, prenez tel véhicule. Ouais, je pense. Vu on va. Un point d'embuscade. Non, on va au point d'embuscade non, sur non, le non, pont. Non, c'est un point d'embuscade. Et, mais tu vois, là, si tu veux être encore plus blindé, tu prends l'insurgent. L'insurgent n'avance pas forcément vite, mais putain qu'il est blindé. Ah, bah j'espère juste qu'on doit pas faire une course poursuite parce que sinon. À l'insurgent, ça roule pas. Tu vois pas le point, tu le vois? Non, on est dans la zone. Vous êtes dessus là. Ah, en fait, ils vont arriver par le pont. Juste mettre dans la zone. Masque. Ah, mettez le masque. Ouais, surtout qu'on ils ont un hélico. Hein. Alors, tiens, on met en travers. Hop, ils arrivent. Que... Non, attends, c'est des pinges. Ouais, mais je m'en fous, il passe pas le pinge. C'est pas la fête du slip ici. Eh, t'es sérieux toi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Jackie là! Embuscade, mon cul! L'hélico, moi je vais m'occuper de l'hélico. On fait gaffe, les gars. Moi je vais cartouche l'hélico. Tu veux pas foutre la bagnole dans l'autre sens s'il faut partir? Ouais, peut-être. Ouais. Il faut les suivre. Auro, je te laisse Fox, vas-y, change la voiture de sens. Moi je vais. Dès que je vois l'hélico en visuel, je le cartouche. Hein. Je vais attendre qu'il soit peut-être un peu près. Mais ils sont loin. Ouais, ouais. Ouais. C'est pourquoi on se préparer. Est-ce qu'on en a un qui monte au snipe là-haut? Mais Fox, laisse-la au milieu qu'il puisse pas passer. Hein. En fait, l'idée de la laisser au milieu. Hélico en approche, on a plus le temps. Ah, mais c'est un hélico de ouf! Ah, c'est que l'hélico? Attendez le convoi, ok. L'hélico, je le cartouche direct. Non, c'est pas que l'hélico. Mais c'est un hélico roquette, mon pote. Ouais, ouais, c'est pour ça que je le cartouche direct. Team Rocket. On a quelqu'un qui peut se mettre au snipe, les gars? Oui, si tu veux, ouais. Je vais attendre le dernier moment pour l'ouvrir. Pas de visée, hein. À part le sniper, ouais, bah, pas de visée. Pas mal à l'arbre. Attends, non. Et taisez-vous. Je vais être prêt à l'éclater. Hein. Quelqu'un a visé. Il est là, l'hélico, il est là. Ah oui, je le vois. Ah, c'est un hélico. What? Feu! Ils nous ont vu. Au revoir. Ah, c'est bon, l'hélico, tu l'as. Attention, allez, on voit, on les arrête, on les arrête. On tue les conducteurs. Oh, un surjoint armé et tout. Lol, mais attends. Oh! Mais je me suis fait ouvrir! En même temps, j'étais un peu au milieu de la route. Oh, ils ont tous des gilets pare-balles de fou. Oui. Il y en a deux qui sont sautés par-dessus bord. J'ai pas de vue en fait. Ah, mais lol, je me suis fait tellement ouvrir. En même temps, j'étais au milieu de la route. Je me fais défoncer. C'est le mec sur la surjeune qui fait mal. Hein. Faudrait le cartoucher avant. Faut qu'on se place, excusez-moi, c'est moi deux fois. Faut qu'on se place différemment, faut qu'il y en ait un qui roquette l'insurgente. Il faut laisser les voitures. Ouais, non, il faut laisser. C'est le camion qu'on a besoin, hein. C'est tout. Hein. Si on roquette l'insurgente, c'est bon. J'aimerais bien me placer derrière pour avoir justement le tireur. Pré-chute l'hélico avec le snipe, ça le détruit. Ouais. Oui, oui, ça évite de tirer au roquet. On va relancer toutes nos excuses, on n'avait pas encore fail aujourd'hui. Non, bah non. On n'avait pas encore eu de phase de fail. Bien placé, en fait. Ouais, ouais, mais c'est moi ça, c'est moi, autant pour moi. On est en pleine découverte de la mission en même temps. J'étais bien aussi. Moi j'étais bien quand j'ai shooté l'hélico, c'est après je suis resté face à l'insurgent deux fois d'affilée. Alors bien sûr ils ne rentrent pas nos voitures. Ah ça dit explose tout au bazooka. Dans le coin. Non pas au bazooka les gars parce que... Il y en a quand même des trucs à récupérer. On a toutes nos voitures. S'il y en a un qui... Fox prends ta moto et je vais te placer derrière. Tu te places derrière ou pas? Je vais tourner ma voiture au cas où je dois partir. Je vais la mettre là où ma voiture. Comme ça, je vais m'en servir pour me couvrir. On se met au point d'embuscade déjà. Ah, sinon, ça validera pas, les gars, si on se met pas au point d'embuscade. On a du monde qui est trop loin. Ouais, attendez. C'est bon. Ah non, c'est bon, c'est bon. Moi, je mets ma voiture là, comme ça, je me cache derrière. Voilà, comme ça, là, je suis caché derrière ma voiture. Moi, je vais mettre là. Ok.
Est-ce que là je peux me mettre à couvert derrière mon blindé? Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, je suis pas mal là derrière mon blindé. Ouais, ça je me mets devant comme ça t'es encore plus à couvert. Ouais. J'ai... Au pire, je pose du C4 à l'arrière du pont. Ouais, pose du C4 à l'arrière du pont. Bah, si on passe. J'ai deux sapins devant en fait. Est-ce que toi t'as moyen? Ouais, parce que par derrière, en fait, toi le but c'est que t'éclates le tireur de l'insurgente. Bah ouais, mais j'ai deux sapins en fait. Alors l'insurgente, les gars, il faut 4 roquettes hein, pour l'éclater. Donc c'est préféré qu'on abatte le tireur. Sur le chat, ça dit pétez-le au bazooka. Le problème, c'est qu'un insurgente, c'est 4 roquettes pour le faire sauter. Surtout qu'il y a le camion. Ça arrive, il y a le camion, j'ai tout. Ils sont plus en avance que l'hélico, bordel. Ouais, l'hélico, non, l'hélico est là-haut, il arrive. Non, non, là-bas. Non, non, ils vont ah, ok, faire, d'accord, c'est parce qu'ils ont le tour à faire. Oh là, mais ils sont combien? Ils sont beaucoup. Bon, synchro. Vraiment, la synchronisation, nous à l'avant, Fox, toi, ton délire, c'est l'insurgent. Tu dois laisser absolument, c'est l'insurgent qui passe pas. C'est le tireur de l'insurgent. Il est vraiment derrière l'insurgent, hein. Il est. Sauf l'hélico? Ouais, ouais. C'est parti! Attends, l'insurgent est pas là encore. Je me mets à couvert et c'est vraiment l'insurgente. Mais non, pas dans la voiture, à couvert j'ai dit. Le pilote du camion Ok, camion c'est bon. Le Mesa c'est bon. L'insurgente tu l'as eu ou pas? Il est dans l'eau, il est dans l'eau. Go 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 go. Je me place derrière. On garde les blindés ou pas? Faudrait qu'il y en ait un de vous qui redescende en fait les gars. On a le Mesa, l'insurgente est dans l'eau. Et on est tranquille, il faut le récupérer. Allô? Oui, oui. Ah, j'arrive, je vois Roi arrive en courant. Musa, tu te mets en voiture de tête. Moi, je me mets en voiture arrière et je chope Fox. Non, je prends le camion. Fox, descend. Il faut les garder les blindés, Roi, prendre le camion. Fox? Ah, il y a un mec qui est monté dans la montagne, il m'a buté. Par derrière. Ouais, mais c'est pas grave, t'as repop où? Livrer le camion. Ah, oh, je suis coincé. Attends, je te récupère, je te récupère. J'aurais bien pris le truc armé en fait. Et je sais pas où il est, on s'en. Il est là, ok. On a des hélicos qui arrivent. Ouais, ouais. Ah, ça me cartouche. Fox. Ah putain, c'est pas Fox ça. Mais Musa, t'aurais dû tourner après du pont. Mais t'es même plus. Attends, Fox, attends. Voilà, descends la montagne, on va prendre l'armée nous. Je me mets au pilotage, tu te mets au cartouchage. Ok, je suis parti. Putain, y'a du monde. T'arrives devant là. Oh mais lol. Oh la vache. J'ai bouffé. Vous êtes à l'armée là? Fox, t'es dans l'armée ou pas? Non. J'arrive. Ok, ah, j'y suis. Vas-y, monte et tu tires. Ouais, on arrive. Là on est en faut que je dégage Marcel déjà. Faut vraiment que je me l'achète l'armée. Hein. Ok, c'est bon. J'arrive, je passe à la manette. Oh, c'est des hélicos de ouf. Faut les défoncer vite. Hein. Puis ils vont mettre une roquette, je vais tellement rien comprendre. On arrive. Ça va le faire. Ah, il est sur moi. Ouais, on est là en couverture. Hélico en premier. Oro va s'occuper des voitures, Fox. Hélico, absolument. Les hélicos déconnent zéro. Échapper à mes rivaux. Ah, ouais. J'ai une voiture devant aussi, carré. Ouais. Mais lui, il faut vraiment que je l'achète, hein. Le pick-up comme ça. En fait, je crois que je vais le préférer comme ça qu'en classique. Le Insurgent, pour information, les viewers. Le deuxième élément. Feu. L'hélico, une cartouche. Oh, il m'a balancé. Ok, c'est good. Devant. Mais clairement, le insurgent classique est sympa. Ah ouais, fais gaffe au barrage après. Le insurgent classique est sympa, mais avec la mitraillette, Alex, mets-toi à couvert. Oui, c'est pour ça que j'ai montré mon cul très vite. C'est deux voitures tout seul. Ouais, c'est un barrage. Si vous avez des entiers à prendre, prenez-les. Hein. Feu. J'ai encore un hélicoptère. C'est bon pour nous. Hélico qui va. On a plus de vie les gars, pour info. On est des encas. Hélico derrière. C'est bon, ça tombe. Attention devant. Bourrine. Musa, ralenti. Laisse-nous passer. Dans où il y a des trucs. En face. Il y en a un autre sur le côté. Hein. Ah ouais, feu, éclate là celle-là. Attendez avant d'avancer. Attention, il y a des mécos. Ouais. C'est bon, là il y a personne derrière le camion. Fais gaffe, elle va péter celle-là, Alex. Ouais. Musa, fais gaffe en passant, attends un peu. Ouais, c'est bon. Ok, t'es là.
Mais moi il me le fout en fait le... Oh là 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 là, le armé comme ça pour le online, ouais, il me le fout. Recule, recule si jamais il pète. Ça va péter Musa, fais gaffe. Oh bah moi il l'autre voiture elle est en bas, l'autre voiture elle est en bas. Ah ouais c'est bon. T'es bon Musa, t'es avec nous? Ouais, en face. En face. Il a l'air un petit peu à monter. C'est chauffeur mort. Faites gaffe, ça va sauter, attention, ça va sauter. Non non, pour l'instant faut qu'on échappe, on a des vagues, c'est tout. Là t'en as un. Mais moi il me faut celui-là, les véhicules armés sont amenés par Pegasus, ouais ouais. Mais il m'en faut un. Ok, les deux sont morts. Ah tu peux pas mettre le armé dans ton salon? Merde. Bon, on a le point, c'est bon, c'est bon. Tu peux pas mettre le véhicule armé? Tu peux le commander et faut que t'ailles le chercher après. Bah si, le Insurgent classique tu peux. Tu peux le mettre dans ton garage, le Insurgent classique. Le classique ouais, mais pas l'arme. Bah il m'en faut un, il me faut des Insurgents parce que quand je vois, t'as vu comment on est blindé là-dedans? On pourrait se prendre des roquettes d'hélico, on peut en prendre 4 avant de crever quoi. Attendez, on va ralentir, c'est Musa, il y a un peu moins, je sais pas s'il va se refaire. Mais alors le armé est top, par contre il vaut hyper cher, 1,3 million quoi. On peut l'améliorer le armé, bah je pense pas. Ouais, il est déjà bien amélioré. Devant nous, je crois que c'en est un. Il y a blanc dans ce 25 dessus, non. Je crois pas qu'on puisse les améliorer les véhicules qui sont chez mes revolvers. Bon, j'aime bien quand t'as un plan. Non, je me tais, on n'a pas fini. Ouais, tais-toi, on est pas arrivé. Il nous reste 300 mètres, va pas nous. J'aime bien quand t'as un plan, on se déroule sans ça. Boum! C'est la même quête que toi. Quoi, quoi? Oh, j'ai eu peur. Non, j'ai cru que tu me disais, voilà, j'ai du monde au cul ou quoi, j'ai flippé. Tu sais, Alex, tu l'as encore ouvert. Par contre, j'aime beaucoup ce véhicule armé. Hein. Vraiment, je le trouve vraiment sympa. GG. Voilà. GG. Alors pourquoi c'est moi qui conduis alors que c'était Musa? Qui a perdu une vie? C'était Musa. C'est Fox, non, Fox sur la colline. C'est Fox, ok, moins 100 000 pour Fox. Hein. Bon, on a de la thermique, tout va bien. Le non-armé sont dans le garage, mais l'insurgent. Le non-armé sont. Ok, oui, l'insurgent classique est bien dans le garage. Ouais, c'est ça. Notre île armée, oui, ça va. Bon, c'est cool. C'est cool, ça se passe bien, plutôt bien. Ouais. Il faut qu'on fasse très vite celle des motos, après on fera la pub et après. Putain, j'ai pris la bronze alors. Je disais, la conduite, regarde. Ouais, ah bah, là c'est normal, la fois que ça a battu tous les. Ouais, il a battu tout ce qui bouge. Ouais. Tous les. Allez, 50 ouais. Encore 20 000 pour là. Ah, moi bientôt 54. JJ, merci le chat. Je kiffe la voix d'Oro, je suis seul. Si Schwix, apparemment c'est une femme, elle kiffe ta voix. Oui, ben je crois pas qu'il est le seul. Ou non, c'est est la elle, seule, elle. Mais... Bah, sinon, non, elle, oui. Elle, bah, je suis seul avec un E, ou alors ça veut dire que monsieur seul, se sent seul. Je ne sais pas. Merci à toi en tout cas. Merci, j'aime bien que t'aimes ma voix. Tout ça pour une petite mallette. Oui, mais vu ce qu'il y a dedans, on va faire sauter toutes les portes. Facile, le braco 5. Il est pas trop dur en tout cas, mais il est vraiment top à faire. T'as dit, il envoie du lourd sur le braquage. Ouais, le braquage est sympa là. Ah, oh, on a le Savage. Allez, il vaut combien? Il vaut très cher, je crois. Hélico, le Savage. Il vaut très très cher. Il y a vraiment. Enfin, si vous voulez vraiment avoir des hélicos, les trucs armés et tout, ça vaut la peau du cucu. 1 950 000. Voilà, et le Insurgent, le Insurgent armé, un pick-up, je crois que c'est 1,3 million. Alors l'armée, non, l'armée 950 000. Ah, c'est dans quel, c'est ça ou la voiture de sport? Ah non, j'ai 328 000. Ah non, voilà. C'est le pick-up armé, le pick-up Insurgent. 1,3 million normalement. 1,350 000. Ok, je vous réinvite. La suite, le Insurgent armé, c'est chez Warstock. Le normal et le armé. Mais ce qui est bien, le en fait, moi je me dis qu'on préparerait peut-être un prochain live RP avec les Insurgents armés pour voir qui fait le malin en tant qu'un Insurgent armé. On va voir si cette fois-ci on peut s'ouvrir. Allez, casse de la Pacifique version moto. Procurez-vous les véhicules qui vous serviront à filer après le casse de la Pacifique. Volez 4 motos sportives haut de gamme au clubhouse de Lost à East Los Santos. Carrez-vous près de la banque. On est dans le caca. On va voler des véhicules, des motos. Bon, ce qui est bien, c'est que vous, sur les missions de préparation, vous faites 100 000. J'ai pas reçu ton invite, mon cher. Non, mais j'ai pas encore invité. Sur ça, je lisais ce qu'il fallait faire. Foxin, Musarin. Pas mission de préparation, on prend 20 000. Et Aurin. Aurin. Ce qui est plutôt bien. Par contre, Alex, c'est mort pour toi. J'ai pas compris de quoi il parlait. D'accord. De la voix. Non, je sais pas. Non, j'en sais rien. Bon, tout se passe bien. Pour acheter les véhicules. On a, allez, on a 20 minutes pour faire cette mission-là. Après, on pub. Ça devrait le faire. Ça va le faire. Vous n'avez pas raison. Il n'y a pas de choix. C'est dommage qu'on soit obligé de jouer pendant 3 semaines. Enfin, d'être en live pendant 3 semaines pour se payer un véhicule. C'est vrai.
C'est vrai, ouais, et en même temps, sinon ça serait overcheat que tout le monde ait les gros véhicules. Alors il y en a plein en fait qui font tout ce qu'on appelle le cash. La carte bleue. Bah la carte bleue. Hein. Mais après ouais, ça serait... Si vous finissez le jeu en, 5 minutes, ça serait pas marrant. Moi je peux pas avoir les masses de rue, ils déconnent. Moi je vais voler en des bête. Motos, j'y vais en... Masque à oxygène. Moto. Bon allez, ils sont beaux tes casques, Fox. Je sais pas comment tu les as trouvés ceux-là. Bah ils sont dans la des casques. Tu vas dans casque. J'ai jamais fait gaffe, ils sont sympas comme tout. Mais le crâne ouais, c'est celui que je me suis acheté. Il est classe avec le crâne. Débloqué à niveau 40. Au casque final, Alex devra prendre 200 000 de plus. C'est exact, je devrais prendre 200 000 de plus que mes copains. 100 000 d'investissement et 100 000 de rémunération. Donc il me conduit, clic, patron, attendez. Oh mais il met encore le casque de cross, il me fait chier. Normal, ok, donc c'est pas très loin. Hein. Non, 1 km 7. Alors j'ai vous attendu quand même, je fais le mec sympa. Et tu veux une médaille? Tu veux la platine? Déjà, il est en motocross, il faut que tu vas nous faire. Non, c'est vous. Non, il est en Solex. Ouais, et après on devra aller à la banque directement. Donc ça veut dire qu'après c'est... direct on fait le braco? Si, après il y a écrit, c'était garez-vous auprès de la banque. Ah ouais, mais non, on peut pas le braco. Je pense que les motos sont bien protégées. Oui, je pense qu'en fait il va falloir mettre les motos proches de la banque. Pour on a pas... Après, on a pas c'est qu'on va sortir de la banque, on va le braco. Ah ouais, je pense qu'on va les mettre sur le parking ou un truc comme ça. On a pas réparti le pognon, donc on va pas le compter. Ah, G, mettez votre casque. G avec ça, mettez un nouveau casque. Il veut pas. Bah d'accord. Bon, on s'en fout, j'y vais avec un casque de cross, moi. Je vais changer mon casque. Il y a les 4 motos et on voit pas de points. Ça craint du boudin. Si, ils sont là. Bah, je vois aucun point. Il y a 4 points, 4 motos. Tu vois pas déjà juste les bonhommes qui sont devant, là? Attends, 2 secondes, je mets mon casque noir. Devant leur Solex. Ok, bah c'est parti parce qu'il y en a un qui a ouvert le feu. Non, mais ils ont dégainé, donc... Bah, c'est bizarre. Après, tu te poses la question avec pas de C4, pas de grenade. Oh, je me fais défoncer d'où là? Bah, sur les toits, les mecs qui sont en train de monter sur les toits. En fait, t'avais un mec sur le toit. Je vais tirer à travers un mur en béton. Moi. Oh, il y a un camion de l'agence touristique. Ah, mais c'est encore les bracos de tout à l'heure quoi, en gros. Ah, les pauvres. Les pauvres, à chaque fois qu'on les croise, on leur braque quelque chose quoi. En mode on était zéro équipé quoi, je paye 100 000 dollars d'investissement, pas capable d'acheter 4 pauvres motos là. Bah 100 000 dollars, ouais. Pas que 100 000 dollars en moto, c'est fou quand même. Pas du monde au fond. Ah ouais. Pas de grenade les gars, je rappelle. Hein. Putain, c'est ce qui s'appelle se faire allumer. Hein. Il y a 4 gars qui rentrent qui trahissent. Faites gaffe, vérifiez. Ouais, faites gaffe, vérifiez que c'est bien mort. Donnez, ok. C'est propre. Et j'ai une moto. C'est quoi les motos? C'est celle-là là? Attends, non, c'est celle-là. J'en ai une. C'est ça les motos? Bah, des motos. Ah non, c'est pas celle-là. Ah oui? Non, c'est celle-là. Les motos elle est où? Course, un peu. Elle est où la mienne? Bah, regarde sur la carte. Ah oui, mais je regarde sur la carte, mais elle est censée être là. Elle est censée être dans le bâtiment, les gars. Non? Ah, le garage s'ouvre, tu peux. Ah, le garage s'ouvre. C'est qu'à sauter. Là, il faut y aller, musa, on se fait tirer dessus. Allez-y, je vous rattrape. Je suis juste un abruti. Allez là, quoi, ok. La barre jaune. Ah, y'a du turbo ou quoi sur la moto? Pourquoi j'ai ouais, une barre jaune? Ouais, y'a du turbo, mais je sais pas comment on l'active. Oh, j'ai tellement plus de vie. Non, c'est pareil, j'ai pris méga cher. Ah, moi, j'ai pas envie d'abuser. Je crois que je vais mourir. Que... Oh la vache. Oh non, je suis rentré dans un mec. Oh bah, je suis mort. Je suis rentré dans un mec, je suis mort. C'est fini. Comment tu fais pour activer le. Ouais, j'imagine bien, mec. Turbo, je sais pas. On a l'air de se faire cartoucher, lol. Un jaune ouais, il s'active des... dès que t'es sur la bocane. Hein. Il y a des gens au milieu. Mais comment t'actives le point jaune en plein milieu et tout? Dès que tu montes sur la moto, il te dit emmène-le là. Mais non, mais pas le point jaune, il y a pas une barre de boost. Y'a pas quelqu'un qui a une barre de boost. Si, si, y'a une barre de boost. Ah, ça doit être quand t'appuies sur le stick la manette. Ouais, mais au clavier c'est quoi? Vous avez atteint le rang 5 en dans GTA Online du Big GG. Votre clavier ça doit être Shift, un truc comme ça. Ça doit être comme quand t'es en mode GTA, tu sais, quand t'as les missiles ou. X alors, ouais. Dans les courses. Pas Y, hein. Appuie sur le joystick, ça dit. Ok, dites-moi qu'on les a tués là. L.
J'y crois pas, mais dites-moi qu'on les a tués. Non. Si, non. On doit pas juste reprendre les motos. À mon avis, si, ça fait une nouvelle étape. Bon, on va voir. On est où là? Déjà, on est méga loin du truc. Donc, on les a pas tués, je pense pas. Ouais, ils sont sérieux, mais on a combien de kilomètres là? 14. Il faut appuyer sur le stick L. Non, c'est L. Bon, on est juste à côté, on est juste à côté. Ok. Ouais, et visiblement, ils sont pas morts. Hein. Ah non, ils sont pas morts du tout. Et pourquoi vous ouvrez le feu aussi loin, les gars? Mais on a mal pas là, on a 2 km. Je suis à peine arrivé devant et il m'a tiré dessus l'autre. Ouais, faut que je traverse, hein, sinon je vais me faire défoncer. Vous tirez pas dessus. Attention au mec sur les toits, hein. Il y en avait un qui était sur le conteneur tout à l'heure. Ouais, je l'ai écouté. Ah, ils nous foncent dessus, les bâtards, en plus. Dans ta tête, vas-y. Que dit le chat? Le chat dit lance patate. Bah non, les gars, c'est level 60. Il y a des motos à récupérer. Et il y a des motos récupérées. Il est pas mort. Oh, j'ai bouffé là. J'ai bouffé connement. Je sais pas pourquoi lance il s'est patate, viré de ma position. 60, hein. Il en reste un derrière là. Voilà. Ok, cette lane. Ah non, pas du tout. Ok, j'en ai. Moi je vais remettre un gilet pare-balles, j'ai plus de vie. Oh, on monte pas sur les bacs tout de suite. Attendez de monter sur les motos. En cas, et dans l'idée, les gars, faut que vous fassiez le plus. En faisant gaffe, faut que vous fassiez le plus d'embardés possible. Mais pourquoi en fait. Il veut pas manger? Ah, il peut manger que deux à la fois, il faut que t'attendes qu'il finisse de manger et t'en reprends deux. Mais non, mais c'est en fait, il veut pas. Et chacun devant une bacon. Ah, ok, j'ai des pare-balles là si ça intéresse quelqu'un. Moi sûrement, je suis tout à fond. On a combien de kilomètres? 1,30 km, c'est ça? Ouais. Non, je sais plus, ouais. Let's go. Ah bah, ok. Apparemment, merci Musa. C'est parti, go. La communication. Non, X, ça fait pas ça. Ah. Après c'est des fourgons, hein, mais... Oh la vache! Oh la vitesse! T'as trop la touche. Oh mais non, mais putain! Tu déboîtes, gros bâtard! Je suis mort. Cherchez pas, je suis mort. Voilà. Et donc la mission est terminée, les gars. Non, il reste une vie. Non mais je pourrais pas revenir à ma moto, hein. C'est impossible. Ah, j'ai 8, j'ai... En fait, les trucs c'est qu'il faut pas s'arrêter, hein. Faut pas leur tirer non, dessus. Faut rouler, moi je suis passé sur les trottoirs et tout. Non, c'est pas là, toi, on a vu ça avant. Ouais, je suis mort. Je cherche pas, je peux pas récupérer ma moto. Il y a 6 ou 7 mecs qui, eux, ils te tirent en pleine tête. Faut vraiment faire attention en à fait, la circuit et rouler. Encore une fois, sur la version PC, moi je tiens à rappeler, parce qu'il y en a beaucoup des fois qui mettent des commentaires. Ah, vous êtes nuls. La différence, c'est qu'en fait, vous avez vu des vidéos et vous avez sûrement joué sur console en visée auto. Et la visée auto vise la tête tout de suite. Donc en gros, les 6 mecs que j'avais, je pouvais les one shot avec une rafale. Sauf que là, c'est pas le cas. Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que dans l'autre sens, les pinges, eux, ils te pleinent tête. Et ça, c'est chiant. Bah, ça dépend, hein. Ils pleinent tête pas tout ah, le temps. Ah, si, ils pleinent très mal, tête, non. Putain. Non, sérieux, non, mec. Pas tous. Hein. Regarde les impacts de balles que t'as. Ah ouais. Pas, hein. Ça, leur côté, la galère du clic. Je trouve que c'est bien trop souvent pleine tête, hein. Vraiment. Non, sinon, t'es trop OS. Là, tu perds ta vie en étape. Bon, on va essayer. L'astuce, c'est de prendre des routes différentes. Oui, j'imagine bien. Quoi, ouais, sur la route principale, il suffit de pas rentrer dans les gens, hein. Il faut pas tomber en fait. Toi, t'es tombé, Alex. Ah, ouais, je suis tombé parce qu'il y a un mec qui m'est arrivé dessus. Ouais, voilà. Et ça tire. Mais qui c'est qui a pas annoncé qu'il tirait? Parce que c'est un tir qui est venu de chez nous là. Non, non, c'est un tir de chez eux. Là. Parce qu'on est tellement à couvert là. Ouais, y'a plus personne à l'entrée. Oh là, j'ai failli me faire renverser par une voiture.
Il est pas mort, Musa, fais gaffe, hein, le mec hein, dans l'angle de la poubelle là. Et là, il glitch tellement les gars, il va faire fou, il vole de partout. Merde! Ah, je vais. Je vais tirer d'où là? Il y a des mecs qui ont paru à gauche là. On est... Bon, je mange. Ah ouais, vas-y, mange, tranquille. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris, tu leur tires dessus, ils glitchent de partout, mais ils se prennent jamais une balle. Si tu tires pas la tête, là. Il est resté au fond, je sais pas trop où. Normalement, ça m'a l'air d'être à peu près bon. Attends, j'en ai un là-bas. Ok, on se la retente. Mais on attend le signal. Oh, attends, 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 il a tiré dessus quoi. C'est pas... C'est bon. Ok, on attend, je donnerai le signal. Attends, les gars. Un gilet pare-balles, hein. Vous montez en moto, j'en ai là des gilets pare-balles si tu veux, gratos. Ah, oui. Ah, t'as des gilets pare-balles? Ouais, j'en ai un, il en reste un. Sorry. Bah, trop tard, oh la pute. Vous montrez en moto à mon top. Ouais. Sans ça, s'il n'y a pas d'autres gilets pare-balles. Je viens de m'équiper une ultra lourde. J'ai un gilet pare-balles ultra lourd. Alors, est-ce qu'on est ready? J'attends les tops, vous attendez que j'y 3, 2, 1, moi, top. Je suis prêt. Hein. Oro prêt. Je suis prêt. Fox prêt. Musa prêt. 3, 2, 1, top. Je prends une autre route. Hein. Faut essayer de les disperser en fait. Prenez d'autres routes. C'est la route principale. C'est juste pas me cracher, c'est tout. Oh putain, je suis tombé. C'est marre de merde. T'as un mec qui m'a. Le boost il cartonne. Sur la route oh dessous, quoi. Putain. Le boost il cartonne sévère. Hein. Il faut que j'aille chercher ma moto. Oh putain. J'ai l'air d'avoir pas son retour. Je suis par terre, je suis par terre, je suis pas mort. Ah, c'est bon, je pars, je fais qu'ils me font chier là. Mais quelqu'un qui a perdu une vie. Hein. Oui, c'est moi. C'est moi d'être mort. Ah oh, ouais? Ouais, ouais, mais c'est où l'entrée? Oh, ouais, tu fais le tour. Ouais. Ah, oui, c'est un parking complètement paumé, les gars. Oh, je me fais défoncer. Oh, mais lol. J'ai tellement de voitures sur moi. Voler une lécro? Faut que je vole une lécro? C'est quoi une lécro? C'est la moto qu'on a là. C'est la moto. Bah il me dit voler. Ah oui, aider à conduire, d'accord. Parce que la mienne je l'ai mis au point de. Bonjour. Ah bah oui. Tout le monde est bon? Non, non, pas moi. Ok. Ah, j'ai plus de points. Voilà, aussi, Euro. Dans l'entrée qui est là, les gars. À droite ou contourner? À droite, à droite, à droite. C'est allé au bout. Allez, c'est bon. Bon. Ouh. J'ai eu chaud, moi. Je suis mort, j'ai réussi à tuer un fourgon et à reprendre la moto. Bon, c'est cool. Ça va. Il y en a un qui m'a bousculé sur l'autoroute d'en bas, donc j'ai fait une petite chute de 100 mètres. Bon, les gars, on est pile poil dans les temps, ce qui est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer la pause avec un peu d'avance. On aura 5 minutes d'avance, vous voyez. Ce qui nous permettra d'être tranquille pour aller jusqu'au bout de ce braco, puisqu'on va pouvoir arriver dans la phase finale. Phase finale très importante, je vous le rappelle, puisqu'on a 1 million de dollars. Donc en gros, il reste que 800 000 à se partager parce que je prends 200 000. 100 000 d'émissions et 100 000 de prépa. 800 000 à se partager avec 4, ce qui n'est pas dégueulasse. Et pour information, 1 million, c'est le maximum. Là où ça va se compliquer, c'est qu'on peut repartir avec zéro. Point, 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 point. Hein. Là, vous ouais, le sentez bien, là. J'ai acheté des gilets. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. J'espère qu'on n'est pas trop loin. Ouais, je vais faire ça, acheter des gilets. Moi j'en ai plus, mais je vais pas pouvoir. Des encas, j'en ai c'est pas grave. 15, donc... Je suis un fou. Une fois j'ai mangé du bridou, mon gars. Ouais. Zéro rapport avec la choucroute. On a encore 3 minutes, mais on aura à peu près 45 minutes pour 40 minutes pour pouvoir faire le. Je vais aller à la munition vite fait, je vais aller dépenser des sous. J'en ai pour 3 secondes. Je vais aller acheter. Non, moi, il est juste à côté, la munition. Des protections. Ouais, il est au bout oh, de c'est quoi ce là. Parking de l'arnaque là. Enfin, munition à 200 mètres. Par contre, je suis vraiment content parking, qu'on ait le braco. C'est 3$ toutes les 15 minutes. Quel parking? Ah, je sais pas, il y avait un parking. 3$ de toutes les 15 minutes. Vas-y, il te reste une heure, paye déjà 12$. Ok, je suis en ultra lourd, j'ai acheté de l'ultra lourd, donc tout va bien. Munitions, je pourrais les recharger après.
Ok, c'est good pour moi. Ouais, j'en ai acheté plusieurs. C'est good pour moi. Est-ce que Lester m'a envoyé le message? Ouais. Casse de la Pacific Standard, hein, c'est ça. Ok. Mesdames et messieurs, vous quittez pas, on marque la courte pause, le temps de se préparer, nous, à ce braquage. Et ça sera le braquage final à 1 million. Dès maintenant, vous pouvez vous demander et en parler entre vous sur le chat. Vous pensez qu'on va ramener combien? Ça, c'est une lourde question. Vous quittez pas, on se retrouve d'ici quelques instants. On est ensemble jusqu'à 15h, mesdames et messieurs. À tout vous. De suite. Merci, Oro. Vous êtes beau, quand même. Vous êtes fort, quand même. Vous êtes doué. J'aime ma voix, donc... Ma régie encore craquée, quand même. Mais tout va bien, quand même. Je peux le faire. Ne quittez pas. Tu sais, c'est le présentateur qui a le truc cassé, c'est en boucle. Mais maintenant, ne quittez pas. Ne quittez pas. Tout de suite. Mais ne quittez pas. De suite. Mais dites donc, ne quittez tout pas. De suite. Bloqué. Ah, ça dit 10 dollars par personne. Oui, exactement. J'ai la régie qui a craqué. Tout va bien. Ne paniquez pas. Il faut pas l'énerver, la régie. Ça lui a fait beaucoup à gérer, là. Qu'est-ce qu'il y a, régie? Pardon, c'est bon. Allez! Mais c'est pas vrai, ça. À tout de suite. Ah, ça dit si vous êtes sage, merci, Oro. Merci, taisez-vous. Si vous êtes sage, je vous ramènerai Oro, du braco. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, là, je suis chez moi. C'est bon! À tout de suite. Il est 14h16 et vous regardez Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com. Je suis toujours Click, vous êtes toujours les viewers. Musaren, Oro et Foxine sont au starting block. Oui. Oui, à tout de suite. Et tu as acheté ton micro? Oui, non, Oro, ça y est, c'est bon, on l'a fait la pub. Le mec, il a bloqué. À tout de suite. Vous êtes toujours en chat à droite. Starting block opératoire. Oui, merci. J'en veux plus de cette équipe. Mais en même temps, qu'est-ce que je l'aime. Vous avez toujours un chat à droite, vous êtes 317 dessus. Vous avez le hashtag Minute to Click sur Twitter. Et on est sur la phase finale du Braco 5. Alors on a fait quoi sur le Braco 5? On a pris des photos, on a volé un camion, on est allé chercher un mec qui nous a fait chier, on a échappé aux flics, on a fait péter un convoi militaire, on a récupéré de l'explosif, on a volé des motos. Et maintenant, on va assembler tout ça pour faire un Braco 1 million. Même pas peur. Clairement. MacGyver, tu prends des trucs qui n'ont rien à voir. Écoutez-moi bien, j'ai 3 strings, 2 bouts de ficelle, je vous propose qu'on fasse un string géant. Merci, monsieur. À quand War Thunder? War Thunder, c'est tous les lundis, 19h, 21h sur la TV1. Voilà, ici même, le lundi 19 à 21. Avec le défi War Thunder. Ok. So. Are you ready? Yeah, I've kept it simple. You all seem pretty simple. Surprise, motherfucker. In a good way, straight ahead, low IQ kind of. Oh, no, let's just stop. Ouais, lui, tu vois, il prend ses médocs, mais ça l'aide pas. Hein. Non. On dirait moi, dis donc. Pourquoi t'as arrêté les tirs? Okay, armed robbery, here we go. Here it is. Keep it simple. Si tu retouches un truc, je vais être obligé de le brûler, Lester. Donc touche à rien. Déjà, le sol, c'est limite là. Déjà, tu dois brûler la commode Elfax. Les millions qu'il va te filer, tu vas l'utiliser pour acheter le mobilier. Ah, écoute, putain. C'est des deuxièmes portes. Oh, ça va être le merdier, je le sens. Ouais. Prenez les motos. 2 minutes. Les gars, 2 minutes on a. On a 2 minutes. On va se séparer. À 2 minutes pour braco une banque. Ça se passe mal, il l'a dit. Oui. Démolisseur. Contrôle donc, de la foule, ah ouais, moi je veux bien tirer partout. Moi je suis pirate. Oh, Tipiak, mon gars, je suis Tipiak. Alors, non, je veux être démolisseur, laisse-moi démolisseur. Attendez, calmez-vous, non, s'il vous plaît. Calmez-vous, on redonne les rôles et je vais les taisez-vous. Sinon, ce que je fais, attention, regardez ce que je fais. Hein. Je peux monter les parts pour moi et les baisser pour vous. Alors calmez-vous déjà, on va voir les parts après. Ce que vous ferez, validez au cas où. Validez-vous. Hein. Non, je vais pas être. Non, je valide pas. Alors, écoutez-moi bien. Arrêtez. Donc, qu'est-ce qu'il fait le pirate? Il va dans la banque, il élimine les agents de sécurité, il accède au panneau de contrôle du coffre, il prend l'argent, il prend la moto, il va au canyon. Qu'est-ce que fait le démolisseur? Il nique les sécurités, il met la charge thermique, il prend l'argent. Bah, les gars, c'est moi le démolisseur. Oh, je suis pirate, hein. Toi, tu prends l'argent aussi, c'est juste que le démolisseur il fait sauter la porte. Bah ouais, mais c'est moi, je veux faire sauter des portes. Contrôle de la foule. Allez à la Pacific Bank, puis rejoignez la moto. C'est les contrôles de la foule, ils sont chauds. C'est, je pense que vous, faudrait dans la banque vous fassiez en non-stop. Fermez-la. On le fait en mode RP, les gars. Ouais, sur le test, on va gueuler et tout. Moi, je vais mettre démolisseur. Je veux être démolisseur. Est-ce qu'il veut être. Moi, je veux être pirate. Allez, Musa pirate. Fox, je te promets, on le refera ensemble. Et tu seras démolisseur. Je te le jure.
Tu sais quoi, je te le promets. Mais il a vu le démolisseur, il a cru qu'il allait y avoir un livre comme dans cet après-midi en off. Fox, écoute-moi. Écoutez-moi, je parle avec Fox, c'est mon préféré. Fox, cet après-midi, on le refait. Et tu sais quoi, c'est toi le démolisseur. D'accord. Tu mets 25% là. Alors, au fait, si tu mets 25% à tout le monde, oui, au fait, mais non, non, je me fais baiser 200 000, les gars. Déjà, alors attendez, vous avez gagné 200 000, donc 100 000. Faudrait que tu mettes 40, 20, 20, 20. Ouais, c'est 40, ouais. 20, 20, 20 qui marche. De toute façon, c'est toujours, là, c'est toujours 40, 20, 20, 20, à part pour la première. Non, bah alors, voilà, tout pile. Voilà, tout pile. Voilà. Tu fais 200 000. Allez, go. Gagner plus go. D'investissement. Ouais, c'est ça. Allez, go. Et promis, cet après-midi, on la fera en 25. Non, je me fais niquer. Ok, t'organiseras. On fera 25 sur chacun. Moi je suis d'accord sur la première, faire 25-25. Ah non, c'est en 4. Ah, oh, c'est quoi, on va c'est faire pas sur la première. Ah, c'est toi qui choisis les costumes. Ouais, on a tous le même costume ou quoi? Non, non. Eh, hey, salut, c'est nous. Non, mais t'as les tubbies quoi. Ah non, en toi, smoking, les gars. Juste le smoking, important. Le type. Ouais. Je choisis juste le type et nous on choisit le. Attendez, faut qu'il soit what the fuck celui-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, c'est pas, ça me plaît pas. Non, ça c'est pas marrant. C'était ça, mieux c'est les bien, têtes. Ça c'est bien. Non, ça les c'est têtes, bien. Elles avaient l'air pas mal. Hein. Voilà. Allez, on est bon. Attendez, je prends quand même une voiture pour y aller. Moi aussi. En smoking, les gars, ça c'est badass. C'est top badass. On n'a pas le même smoking. On a tous des masques. Un conseil, un seul. Personne prend tous les sacs. Ça minimalise les gros. Ouais, faut pas faut qu'on prenne tous du sac. Hein. Parce que s'il y en a qu'un qui a les sacs et qui se fait plomber. Un conseil. Non, non, ça dit un seul prend tous les sacs. On est deux à prendre des sacs en fait. Ah, les deux qui remplissent les. Ok. Pas moi et Alex en l'occurrence. Bah, ça minimise le risque de perte. S'il y en a un qui meurt, tu perds tout. Bon, les gars, normalement, il y a 1 000 000. On va voir combien on chope au final. Ça sent carrément le caca, je vous donne. Ah, ça dit sur le chat, ça sent l'epic fail. Ah, les gars, il y a pas moyen, accrochez-vous. En fait, une fois que t'as accrochez-vous. La thune. Ouais, ouais. Pourquoi ils nous ont garé les voitures dans les autres là, mais c'est... Mais c'est ma voiture ça. Mais sortez de ma voiture, dites donc. Mais. Ah, c'est pas loin, c'est à 1 km. Hein. C'est vraiment en centre-ville là-bas. Ouais, ah ouais, bah allez en centre-ville et après faudra qu'on aille dans le canyon qui est un peu à faire. Là, la banque, la mission risque d'échouer si vous attirez l'attention des flics. Donc faites gaffe déjà rien que ouais, ouais, faudra rentrer dans la banque tranquillou quoi. Non, mais même là en y allant. Donc à partir de maintenant, messieurs, vous êtes prêts, c'est un braquage RP. Tu sais qu'hier j'ai eu les flics neutraliser les gardes, essayer de ne pas les tuer. Comment tu veux que j'ai. Ah, faut les taper. On a pas de taser. Ouais, les taper, mais ça les taser. Non, mais c'est des gardes, ils sont armés. Neutraliser les gardes, taper, ouais, les taper, je veux bien, mais ils sont armés. Bon, on va se cartouche, hein. Moi je cartouche, les gars, là. Essayez, il a dit. Essayez. À mon avis, il y a un ouf fait, il y a un succès en difficile, tu sais. À la matraque, en fait, faudrait y aller à la matraque, quoi. À la batte, ouais, mais ça va être fou aussi. Ah, c'est là, c'est la grande. Ah, ouais, c'est là. Bon, pas de masque encore. Pas de masque, hein. Attendez, attendez, je suis pas prêt. Ah, j'ai mon oreillette. Les gars, là, attention. Maintenant, contrôle de la foule. On rentrons. Venez, Jean-Jacques. Allons déposer l'argent que j'ai dans le sac dans mon coffre-fort personnel. Oh là là, pourquoi ça me sort mon arme? Mais range mon arme. Ah, je crois que c'est niqué. Oui. Voilà, nous rentrons avec les armes. Bonjour. C'est très discret. Ah, c'est pris très, l'arme très discret. Bonjour, nous sommes là pas du tout pour un braco. Nous avons des armes factices, qu'est-ce qu'on fait? On a fermé la porte. Oh lol. Allez hop, chocolaté pour toi. Allez, un petit Nutella ma gueule. Oh là là, l'équipe de braco. Tintarin. Allez, on y va, vous êtes prêts? Go, 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 go. Au sol, au sol. À terre, à terre. À terre, tout le monde. À terre, bande de tarés. La caméra, voilà, toi dégage. Allez, tous à terre là. Je pose une charge, les gars. Parlez-y bien, Martine. Tous à terre. Ah oui, d'accord. Non, ça brûle, ça explose pas. À terre. Ouais, ne regarde pas sinon je te défonce. Ferme-la, Lester, on est concentré. Ok, go, 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 go. Tous à terre. On y va, faut que je fasse sauter celle du bas là. On est bon, les gars. 6 minutes. Fox, tu nous fais le timing. Il y en a une là, c'est un bizarre. 6 minutes 12. 6-10. Vous pouvez éclater les caméras ou pas? Ouais, nous on a détruit les caméras. Oh, j'ai tué les caméras aussi. Ok, c'est ouvert. Ok, go, 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 go. Il y a des gardes en bas, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il va falloir tirer. À terre, les gens, tous à terre, ça remonte. Tirez, faut, 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 faut. A... Oh, la barre, elle descend pas de là. Ok, je pirate. Ok, go. À terre.
Y'a des gardes les gars, y'a des gardes. Je sais pas où ils sont mais y'a des gardes. Ils sont en hauteur, je vous les gardes. Ah si, ils sont là, ils arrivent. Par toi, toi. Moi je couvre Musa. Ils arrivent, ils descendent d'en haut. 5-30. Ils tirent, Fox tire. Ça arrive, ça descend. Encore un garde là. Apparemment c'est du verre blindé, c'est pas évident. Musa terre. Faut qu'on sorte en 2 et 3 pour information. 2, 3, 22. Charlie 25. Non mais avec Musa faut qu'on sorte en 2 et 3. L'un de vous avant par sécurité, voire les deux et nous on faut qu'on se barre après. À okay, terre les gens, tous à terre. Ok les gars, 5 minutes, 10. Tous à terre. On rentre. Et la porte est ouverte. On rentre, on prend le pognon. Ok. Non, t'as encore une porte à faire cramer. Ouais, je vais cramer une porte. Tous à terre, y'a un garde qui arrive. Fais gaffe, y'a peut-être un garde de l'autre côté, Musa. T'as mis les gardes, ils pop de où? On était tous aux chiottes. À terre, à terre. À terre les gens. Tous à terre. Y'en a un qui bouge, je défonce. 4-50. Garde. Il est mort. Tous à terre, sinon je vous fais pareil. Putain, 0$. Putain, on est riche, hein. Ok, go. On prend. On remplit. On remplit comment? Bah, dépêche-toi, parce que sinon, là, putain. Ok, minutes, on remplit, hein. remplit. C'est parti, go. 4-30. 20 000, 40 000, 60 000, 50 000, 80 000, spammer, allez tous à terre les gens là. Ça monte. 200 000, 200 000. Faut qu'on bouge absolument à 3,50 maximus hein. Allez go. Allez, faut être à 1 million. Ah, je spam ma souris, je spam comme personne. Ça dit sur le chat, merde, c'est ma banque les gars, déconnez pas, arrêtez. À terre. Faut qu'on bouge d'environ 10 secondes, Musa. Eh, y'a un mec, y'a un garde qui est descendu. À terre. Ouais, y'a un garde qui est sur vous, je crois. Ah, du mal à faire du contrôle. C'est bon, il reste 20 000. Là. C'est bon, moi j'ai tout. Allez, 40 000. On dégage 000. Dans 3, 480 2, 000. 1. Maintenant. C'est bon, 1 million. On bouge, tout nous remonte. Les gens, tous à terre. Ok, go. Putain, mais je suis bloqué. Mais arrête. Putain. La sortie, allez. On sort 5 étoiles, les gars, pour info. On se rejoint à la sortie. Tout ouais. On est là dans 10. 5. C'est bon, derrière. Sortez en premier. Non, bah on peut pas sortir, faut que vous rejoigniez. C'est Cinématox. Tout va bien, maintenant, c'est la conduite qui va faire le reste. Ah, conduite en plus 5 étoiles. Ah ouais, bah d'accord. Ah ouais, j'ouvre la porte, ah, tout va bien. Mais pourquoi je sors en premier, j'ai le pognon. Pinon, t'es con, putain. Oh là, oui, on passera pas par là, les gars, je crois. On va prendre... Il va falloir cartoucher. Oh putain. Quelqu'un lance patate, là, pour ouvrir la voie. Ready. Vas-y, ouvre. Non bah ça sert à rien, on lance patate, on aura pas de visu. Pour récupérer les voitures. Faut se casser là, elles sont où les motos? Elles sont en face. Go. Je viens de sauver la vie à quelqu'un. On est balle à ma place. Y'a les gars, à gauche. Je prends cher. Go. On a déjà perdu de l'argent là. Oh putain, mais on paume des sous! On est obligé de tuer le sou! Oh what? Move. J'ai pris une tête. Mais attends, les deux sont. Mais lol, elles sont à. Oh là là, je suis tellement mal! Je suis tellement pas bien! Il reste un demi-pixel de vie, je crois. Donc c'est terminé, faut qu'on la refasse. Oh la vache! J'aurais dû garer les motos, je pense. Oh là là là. Et on avait du temps là ou pas? Non. Non? Alors faut qu'on soit plus lent. Faut qu'on explose tout ce qui bouge. Et visiblement, on perd du pognon. Ah ouais, dès qu'on se fait toucher, dès que moi ou Musa se faisons toucher, on perd du pognon en fait. Il faut le savoir. On voit pas le butin avec la tête. Ouais, il y a ta tête qui gêne le butin. Ah, attendez. Je décale, vous verrez le butin. Hop là, voilà. Je vais me mettre ici, ça sera très bien. Normalement, vous avez une belle visibilité sur le butin. Bon, on va le refaire, on a 30 minutes. Ouais, c'est ça, il faut que Musa et moi on soit le moins touché possible. Ah, d'accord. Donc, là, on n'a pas de temps, donc on y va doucement. Nous, on reste caché, Musa. Les gars, vous sortez, vous cartouchez tranquillou. T'arriveras pas, Fox, tu vas nous. Ok, ça va bien. Je me mets en vue FPS perso. Ok, faut cartoucher à gauche aussi. Il n'y a pas de friendly, hein, donc on peut y aller. Ouais, mais il veut qu'on sorte alors. Ouais, mais go, mais t'es mignon, go. Mais là, tu te fais toucher, recule.
Ah oui, mais en fait, il y a... Mais sors pas, c'est pas toi qui dois sortir en premier. Non, mais je crois qu'ils reviennent tout le temps, les mecs. Ah ouais. Oui, oui, mais il va falloir sortir, mais il faut en tuer un peu. Oh, lol, t'es passé devant mon moment, je tirais. Oh fuck, il s'est fait tuer. Bah, j'ai tiré sur Alex en fait au moment où je tirais, il est passé devant moi. Je couvre l'arrière, commencez la ruelle avec Musa en rentrant dernier dans la ruelle. Je suis désolé, Alex, t'as dû prendre cher avec la roquette. Ah non, ça va, moi j'ai toute ma vie, les gars, j'ai perdu rien du tout. Moi je fais vachement gaffe. Musa, tu rushes beaucoup trop, t'es pas là pour tirer. Rentre dans la ruelle, rentre dans la ruelle. Oh, mais super, il nous pop dessus. Oh, mais lol. Bon, faut qu'on avance, hein. Musa, avance, 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 avance. Faut qu'on avance, on a pas le choix. Ça nous pop dessus aussi derrière. Ça, par contre, c'est de la merde que ça nous pop dessus. Hein. Je trouve ça tellement mal. Cheval et l'arrière, faut me protéger par contre, parce que je vois pas comment on avance. Ah, je suis désolé, je cours. Eh, Musa, cours pas trop, il y en a 4 ou 5 qui vont pop dessus, Musa. Musa, arrête de pop. Il est mort, hein, ça on recommence. Ouais. Faut vraiment sur la carte, hein, on a deux ouvreurs, deux fermeurs. Les ouvreurs, c'est Fox et Oro. Ils ouvrent, ils avancent. Nous, on ferme et on bombarde l'arrière, en fait. Dès qu'ils avancent... Non, mais ça repop tout le temps, tout le temps. Oui, mais il faut qu'on avance, mais ça sert à rien de partir en courant, Musa. Oui, mais faut rusher de rien du tout. Faut avancer en marchant et en tirant. Tu peux pas rusher. Prenez une voiture. On peut prendre une voiture pour y aller ? Non, on peut pas. Oh, ça m'aurait bien plu. Faut vraiment, en gros, là, Fox, Oro, vous sortez en premier. Nous, on couvre l'arrière. Mais faut qu'on s'arrête pas. Enfin, là, on peut s'arrêter 2 secondes, le temps 2, mais... Go, go, go. Oh, c'est une balle dans le dos. On a perdu 50 000 là. Là, on avance tous derrière là. Voilà. Non, y'a pas un mort. Si, si, moi je suis mort, mais je pense que je vais me refaire éclater. Me protéger, il y en a qui arrivent derrière moi là. Ah ouais. Tant que je prenne un encas. Ah oui, il y en a un. Oh lol lol lol. Heureusement j'avais Musa sur ma droite, je crois, parce que là... Bah oui, il était deux. On avance, on avance, on avance. Moi je regarde que en arrière, avec Musa vous regardez en avant. C'est très la merde ce dernier braco. C'est très fun, mais c'est hyper dur. La voiture, prenez une bagnole. Mais apparemment, les gars, on pourrait prendre une bagnole. Le chat dit on peut prendre une bagnole. Bah non, les rues sont bloquées, on est obligé de suivre un chemin et les rues sont bloquées par les voitures de flic. Moi, je peux pas monter dans la voiture de flic. T'avances là ou. Ah ouais, bah moi j'attends même des égaux parce que je couvre l'arrière en fait. Ah oui, vous êtes loin. Ok, j'arrive. On y va, on s'en sort pas trop mal. Non, ça repop pas en perma, les gars. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller. Vous avancez, mais nous avance. Ça va pop devant nous là. Ça, c'est sympa. Grenade, attention. Oh lol. Oh, pas de grenade, les personnes. Quelqu'un pour l'hélico. Hélico tombé. Fais gaffe, y'en a deux qui arrivent derrière. Je vais me prendre la queue de l'hélico sur la gueule, mais à part ça, ça va. Ah, fallait bien que je le tombe. Y'en a un derrière la voiture, attendez, bougez pas, ça repop pas là. Il est mort. Faudrait que je mange. Mais ça repop pas, hein. Il y a des unités qui arrivent en renfort de loin, mais ça repop pas. Attendez, il faut que je mange. Hein. Mais mange, putain. Inventaire. On peut traverser protection. Ou pas? Non, j'ai besoin de manger aussi rapide. J'ai mangé. Attendez, bougez pas pendant que ça repop pas là, on peut manger et. On peut manger, okay, on met ça des. Ça arrive gilets. Dans la ruelle, hein, les gars. Ouais, mais la ruelle, ils avancent pas. C'est les voitures qu'on a pas tuées. Mettez des gilets, hein, si vous en avez. Moi, je suis full vie, full gilet là. Ouais, pareil. Let's go.
ça dit qu'on peut prendre des voitures, hein, que les gens l'ont fini en voiture. Dans la voiture de flic. Hein, Bon, on arrive dans la ruelle où il y a les. Ah non, je peux pas, il veut pas. Ah non, bah, peux... ça a pas. Ah, vous avez. Ah, c'est vous avez... En face de nous. Oh putain, elles sont toujours pas là les motos, elles sont après. Non mais lol. On aurait dû les garer chez nous. 877 000. Bon, le viewer dit que lui il est parti avec 1 million parce que c'est un. Ouais, c'est un PGM. On avance, on avance, mort, on avance. Attends, s'il a pu prendre des voitures. C'est pas le même jeu, quoi. J'ai pas eu le temps de prendre un gilet, moi les gars. Elles sont là les motos. Ça fait haut, ça fait haut. Ça fait haut, putain. Ça fait trop haut, les gars, faut faire le tour. Faut faire le tour. Ah. Tu peux faire le tour par où? Ah, il faut sauter. Ça fait haut, hein. Non, enfin, non tu peux. T'as une t'as un rebord. Bad. Ok, 877 000. Roulade. On monte en moto. Hop. Ready pour moi. Là, t'es là ou... Ouais, ouais, il y a un flic sur ça. Il a fait tout le tour. Bizarre, bizarre, t'as Osef. On sur la bécane. Oh, lui, il m'habite toutes les insultes du jeu en même temps. Ok, Oro passe devant. On attend que tout le monde. Ok, c'est où le point ? Regarde, il y a un flic juste à droite. Là, faut se séparer et aller au canyon. Ça va être très rigolo. Je vous souhaite bon courage, les gars. Et moi, je pars à droite. Bah, on a chacun une route tracée. Non, non, j'ai zéro route tracée, moi. Ah, si. Ah, j'ai une route tracée. On peut semer les flics ou. À mon avis, que non. Je pense qu'il faut que tu bombardes, mais faites vraiment gaffe à tout. Hein. Non, en gros, c'est demandé de aller dans le métro. Bah, je sais pas si on peut se cacher en fait et si on peut perdre. Je pense pas. Putain, connard de bagnole de merde, putain. 9 minutes 17. Oh bordel de. Quel SWAT! Elle est vécue. Oh la vache. J'aimerais bien la manette. Ah, je me fais tellement bouffer. Utilisez votre boost, hein. J'ai un hélico, j'ai tout. Je connais pas la touche. Si c'est à la manette, c'est le joystick gauche. Non, je suis dans le clavier. Oh, je suis mal. Je suis très mal. Moi j'ai tracé par les champs, hein, je vous le dis tout de suite. Je fais hyper gaffe, mais je peux pas aller en ligne droite. Hein. Ça serait d'une débilité. Enfin, en tout cas, je garde. Oh là. Tout va bien, les gars. Comment vous êtes, vous? Moi, tranquille, je vais par balle. On est à 700 000, 8 minutes 20. Oh, ok, 300 000 en personne. Ah, quelqu'un est mort. Oui. Oh putain, oui, c'est moi. Hardcore. En personne. C'est hardcore. Ouais, mais en fait, 5 étoiles pour info, il ne lâche pas, vous pouvez pas vous cacher. D'accord, on peut pas se cacher, merci. C'était juste ça. En voiture, t'es safe, en moto, tu perds trop de thunes. Mais les voitures, on peut peut-être on les peut prendre pas, une fois qu'on a les motos, mais en tout cas, avant, on ne peut pas prendre une caisse. On a essayé, je vais réessayer devant vos yeux ébahis, mais 37 les gars. Oh là, ça pue qu'on va pas y arriver. Alex, tu perds de la thune à chaque saut. Oh mais lol, putain. Oh là 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 là. On recommence sur Bacon, ça va. Ouais, ouais. Oui, oui. Déjà, c'est bien. Ouais, on a combien là? Ils nous remettent le million là? Je sais pas, avec un peu de chance. C'est rigolo quoi. C'est fumé hein, si on a le million aussi. À mon avis, on a voilà ce qu'on avait. Ah oui. Non, non. Non, mais ils peuvent pas prendre des sacs résistants là? Ça dit, faut prendre l'autoroute. Là, par où on était passé nous. Hein. C'est le GPS. C'est où en fait? Ok. Ouais, il dit de rejoindre le bateau. Le bateau? Oui, mais ouais. Faut aller, je sais pas où, pour rejoindre après le bateau quoi. Moi, je suis la route qui m'a dit. Doucement, Fax, moi j'utilise pas le boost. On est au clavier pour pouvoir tirer. Moi je suis avec vous, les gars. Je suis coincé!
Oh là là, c'est pas. Musa, je crois que t'as fait une jolie voltige là. Mais laisse tomber. T'es arrivé de nulle part. L'autoroute a l'air plutôt bien en fait. Le tracé qui donne eux a l'air plutôt bien. Ouais, il y a quelques voitures, mais c'est pas cool. Mais c'est plus calme que ce que j'avais moi dans les montagnes. J'ai un petit souci en fait, je suis coincé entre un mur et un poteau électrique. Ce qui est assez ouf, c'est que ce braquage, en fait, si tu fais bien de la merde, tu rentres pas dans tes frais. Enfin, en tout cas, pour le mec qui regarde. Bah là, déjà, il nous reste 665 000, on a perdu encore. Allez. Moi, je serais pas dans mes frais, là. Au partage, ça va être complexe. Bah si, parce que tu vas toujours prendre 40%. Mmh. Ouais, mais je pense pas, même avec... Échec. Oh là là. Qui c'est qui est pas dans le tracé avec nous, les gars? Mais puis tout à l'heure, je vous dis, je suis coincé entre un mur et un poteau. Faut partir tous sur le même tracé, les gars, on va y arriver. On va y arriver. Tout va bien, les viewers, ne quittez pas. Il y aura pas beaucoup au partage. Non, en fait, c'est peut-être pas celle qu'il faut farmer, celle-là. Ça va être complexe. Ah ouais, l'argent part trop vite. Ouais, ouais, ouais. Faut tous partir. Le tracé, en fait, qui est fait par défaut, est cool, hein, les gars. Il est mieux que les autres tracés. Hein. Si vous prenez d'autres chemins, vous retrouvez avec des hélicos que j'avais pas là. Vraiment, les gars, faut qu'on suive. Et en même temps, ils y vont avec des sacs en papier, les mecs. Bah ouais, mais même tracé, là. Même tracé. Bah forcément, chacun fait nappe, nous dit Hit Nation. Il est pas content. Il est pas content. Ouais. Faites n'importe quoi, je les gars. Je vais prendre une voiture qu'on peut pas. Ah, mais. Et du coup, on va faire 700 000. Bah oui, on repart avec la team qu'on avait à la fin. Mais non, on avait 700 000 là. Oui, mais avec la team. Ouais, ok, nous on s'est mis à deux avec Musa. Non, mais non, Fox. On repart avec non, mais Musa part pas dans cette direction, c'est pas la peine. On repart avec la team qu'on avait quand on arrête les kirs. On part à droite. Faut prendre la direction indiquée. Donc à droite là, suivi de à gauche tout de suite. Ouais, non. À gauche là. Et maintenant on bombarde. Enfin, on bombarde en esquivant les camions quand même. Et là par contre on a un hélico que j'avais pas tout à l'heure. Et je fais... Ah non, je veux pas doubler le FBI. Mais non, t'es pas sérieux, mais pourquoi tu me pop devant aussi? Saloperie! Ouais, bah là je suis mort les gars. Ouais, mais lol. Non mais là il faut recommencer de toute façon parce qu'on a plus que 500 000. Non mais lol... C'est-à-dire que si on fait recommencer maintenant, on attaque avec 500 000. Non mais lol, ça par contre c'est vraiment n'importe. Le pop des... le mec qui te pop dessus et tout ça, c'est nimp de chez nimp. Il y a un hélico sinon, ça dit, sur le bâtiment d'un toit bleu et blanc que vous pouvez prendre, les gars. Et si on descend de la moto... Mais moi, ouais, moi j'en suis sûr qu'il le dit. Ouais, mais tu peux prendre un autre véhicule, en fait. Ah, je sais pas. J'ai pas de toute façon, on perd tellement de films à 550 000. Il est hardcore ce braco. Ce qui me plaît bien d'ailleurs. Mais... Non putain Alex, t'es vraiment trop bon. Je suis plutôt tranquille là où je suis. Enfin plutôt. Bah nous on a juste des voitures mais qu'on double quoi. Donc ça se fait tranquille. Hein. Moi je crois que Fox s'est fait tirer dessus. Ouais il s'est fait une voiture. T'es mort? Ah, puis là, j'ai même pas eu le temps de me relever pour les buter. Tu peux récupérer, ça me remet sur, ça me remet dessus direct. Je pense qu'il va falloir apprendre le pilotage. Cours de pilotage. Bah, moi, j'allais bien si le flic a décidé de. Ah, bah oui, de faire une s'arrêter à la voiture. Dans l'idée, je crois que t'es recherché, donc le flic je fait tout ce qu'il normal, peut. C'est normal, s'il te met des embardés, il faut vraiment prendre l'arme. Oui, on est au minimum, on peut pas partir avec embardé, pognon, d'accord. Apparemment, les gars, on est au minimum, on peut pas perdre de pognon, là. On peut repartir avec 500, c'est 550 000, apparemment, le minimum. On perd plus de pognon, là? Apparemment, non. Donc on reste dans notre camp, en fait. On est... Je pense qu'ils sont gentils. Ouais, il me reste 1 km. Bon, je viens de faire un saut, je perds rien. 3,60. Moi je suis au milieu de l'arbre. Ouais, flic de merde. Oh là là là, 550 000 pour l'instant et. Non, non, je pense pas que ça peut descendre en dessous. Non, parce que je me suis fait tirer dessus et on perd plus rien. Donc je pense que le pire scénario c'est 550 000. Ouais, ça fait quand même perdre 450 000 rapport à un braquage parfait. Enfin, je l'ai fait hier, on a passé 30 minutes à 550k exactement le sur You. Oh putain, il est hardcore, hein, je crois. En fait. Je crois les. Je vois, ils l'ont fait. On m'a expliqué comment il fait pour faire 30 minutes alors qu'on a 6 minutes. Peut-être qu'il dit qu'ils ont passé une demi-heure à le refaire. Ah, alors recommencer. 1,8 km. Non, 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 non.
Non, c'est fini. Mort. Non, non, je suis pas mort. Si. La moto est morte. La moto est morte. Ah, fuck, c'est mort. Ah, 45. C'est mort. Ah oui, mais le flic, tourne à gauche, part à droite et il s'est téléporté sur la droite pour continuer à montrer dans la gauche. Non. C'est ça, ça dit qu'il gagne entre 550k et 1 million en fait dans ce braquage. 1 million, c'est hardcore. Bah, 550k, après, moi j'ai un message de l'autre côté de quelqu'un qui pourtant est level plus de 300, qui est un pote, qui me dit que c'est normalement pas possible, c'est un glitch de pouvoir prendre une voiture dès le début en sortant de la. Oui, oui, oui. C'est un glitch. J'ai essayé de monter dans une voiture. Ça marche de temps en temps, mais ça ne. Jusque là, en fait, là où on est là, on ne peut pas prendre de voiture. Après, on pourrait là prendre un hélico si on avait un hélico là, par exemple. Ça serait pratique d'ailleurs. Un petit hélico ? Un hélico tombe du ciel. Là, il y a quelqu'un qui va dire oui, tu as un hélico sur le bâtiment derrière, mais il faut. Tu mets 7 minutes à y aller. Et il te reste que. Bon. Tour de pilotage ? Ça dit quitter la route, hein, normalement. Ouais, je crois que c'est super. Moi, je prends la première barrière qui est juste dehors. Quoi. Ah, bah, avec cours de pilotage, c'est ce que je disais. Ah, proximement. Mais ouais, mais on est en plus guerre civile et un paysan qui sort son tracteur. Mais non, mais apprenez à anticiper en moto, les gars. Et ça, il faut ralentir aussi. Faut les prendre large, les voitures. Moi, je passe à deux voies de la voiture. Il est quoi? Il est 45, ça va. On est bon là pour l'instant, il nous reste 10 minutes. Ça sent pas bon. Je le dis tout de suite. Alex, quand t'es sur la moto, garde toujours le menu de l'inventaire ouvert pour régénérer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Pour manger un cas. Avec Coron, on est plutôt bien. Moi, ne touche pas, hein. Je prends les voitures hyper larges. En fait, les plus chiants, c'est si tu tombes sur un 4x4 du FBI. C'est totalement aléatoire. Pas vu, hein, moi, ici. Ah, moi, tout à l'heure, il m'est tombé dessus, c'est totalement aléatoire, mais. Oui. Moi, je suis les flics qui te suivent, toi. Oh. Ah ouais, mais moi je ralentis, je passe à côté des flics. Voilà, embardé, regardez. Hop là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Coincé dans le jardin d'une maison. Toi, t'as voulu faire. Ah, je me suis gaufré. Il y en a un qui a voulu faire du off-road. En fait, en ville. Parce que là où on est, la route c'est tout droit, tu rejoins l'autre. Ouais, moi je me suis gaufré quand même, j'étais pas encore gaufré. J'ai pris un tremplin. Oh bah ils sont tous sur moi, donc là vous êtes tranquille, hein, techniquement. J'aime bien, faut être safe. Mais il fait quoi? Oh, un tremplin. Youhou. Ben non, mais j'ai pas fait exprès, j'ai esquivé une voiture, j'ai pris un tremplin. Ah, je me suis gaufré. Nick. Ça dit quoi, il est. Oh, mais putain, Alex, pourquoi tu regardes le chat? Faut pas lire le chat, ouais. C'est ouais, non, c'est la connerie ça. Je me suis vautré, j'avais pas lu le chat sur deux fois. Non, non, ça pue, on l'aura pas fini. On le finira pas avant 15h. En fait, ils ont mis sens de pilotage d'avion, mais ils auraient dû mettre pilotage de moto et de voiture. Bon, éviter les embardés, freiner. Si vous avez une voiture de police qui vous arrive en pleine face, vous le mettez en pleine face avec elle. Ah, tu freines. Elle va forcément tourner à droite ou à gauche, mais déjà tu freines, hein, pour l'éviter. Moi je me mets face à face et dès qu'elle fait son embardé en fait pour mettre son frein à main tout gauche, c'est pas tout tombe. Et après je me casse, mais j'ai au moins 40 mètres quoi. Donc si j'ai ralenti un petit peu, j'en ai deux qui m'arrivent dessus là. Ouais, tu ralentis, t'as pas besoin de freiner, mais moi là je suis l'accélérateur. Moi j'arrive dans 1 km. 2.30. Commentez Musa, Fox. Moi je suis mort. Bah Musa est mort. Ah donc on recommence Moi je suis à pied. Ah bah je suis mort aussi. Oh, je me suis tellement fait défoncer là. Oh là là, on n'y arrivera pas. Le gars il est tôt. Ah ouais, ouais, ouais. Le chat a failli tuer Alex, exactement. Ça va être tendu du slip pour la terminer. Il nous reste 5 minutes, les gars. Et je crois qu'elle est en deux parties, cette course. Et là, vous allez me dire, tu rec. Ah ouais, ouais, je rec, ouais. Ouais, ouais. Oui, parce que moi, je sais ce qui se passera à la fin. Bah oui, alors, je partir, 9 minutes, c'est pas, on la fera pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on quitte? Parce que là, c'est l'heure, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On pourra la redémarrer à ce point-là, au point du. Ouais, mais. Je sais pas, hein. Au point de la mission. Ah, tu veux la rec derrière? Ouais, on va à la rec du départ en essayant d'être concentré. Faut refaire toute la banque. Parce que là, je peux pas mettre pause, les gars. Je peux pas mettre pause là. Ah, bah non. Faut que je rende l'antenne, faut que je fasse la pub, etc. Donc, je veux bien la tourner, mais. Il reste 6 minutes là à combler, par contre. Ouais, mais 6 minutes à combler, le temps de dire au revoir, etc. Soyons francs, là, les gars, vous voulez qu'on fasse un dernier essai en moto? De toute façon, on va pas y arriver, donc on peut prendre là en 6 minutes, là, on roule. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment, ne vous inquiétez pas, à la fin de la rediffusion de celle-ci, vous aurez en bonus la banque. La fin. La fin de la banque.
En fait, on n'a pas tous la même route, j'ai l'impression, si. Si, si, c'est juste que s'il y en a un qui part plus bas ou plus haut, on lui donne, il a une route subsidiaire. Ah oui, bah oui, d'accord. Et je peux plus activer le boost sur ma moto, tout va bien. Ah oui, le boost sur la moto, mais je m'en sers jamais. Moi ouais, si, il est vachement bien. Qui c'est qu'on n'a pas avec nous? On est un groupe de 3, il nous manque qui? Moi, je suis pas loin derrière. Apparemment, il y a un bateau qui est indiqué sur la map, donc c'est-à-dire... Oui. C'est lui qu'on va voir, en fait. C'est lui qu'on va chercher, je crois. Non, non, là, on va en pleine montagne, et après... Après, on ira au bateau. Je pense que si on va à un canyon, c'est pour faire du saut en parachute et récupérer le bateau après. Ouais, parce que vous, quand vous mettez en moto, par rapport à nous, vous avez un parachute de base. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un petit coup de parachute. Ah non, c'est le sac à dos habillé. Ah oui, d'accord. Vous avez raison, les viewers. Le boost, c'est uniquement après un gros freinage. C'est pour le démarrage. Pour une grosse accès. Oui, c'est pas pour aller plus vite. C'est pour ça que je pouvais pas... Ah oui, j'ai déjà plus de vie, normal. Moi j'ai pas rien perdu. Non, moi ça va. J'ai les nuits. On va tirer le flic. YOLO! Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera lundi. Lundi pour deux émissions. La première, mais tout clic. On continuera du GTA. Ah, demain, mais on n'est pas vendredi. Mais merde, bah demain! Mais on se retrouve demain, dites donc! Midi 15h, oui, demain, pour le Midi to Click, on va terminer, on a encore quelques minutes, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous on s'est bien marré en tout cas. Oui. T'as failli, je suis là. Oh, oui. Vous êtes mort, c'est ça? Non, non. Si, si, je vois une vie qui vient de disparaître, donc oui. Ah, mais ça fait longtemps, depuis le départ. Je suis à 1,59 km du saut en paracute. Et si j'étais sûr qu'on pouvait... Oh. Je suis mort instant. T'es mort? Je me suis percuté de moto en plein virage. Bon, je suis mort instant. Voilà, Alex pressé d'être au week-end. Ouais, c'est ça, dans la piscine à Ibiza. Non, à la Cavicon. Dans la piscine à la Cavicon. Je me demande, messieurs, si on l'arrête pas. C'est si on fait non, pas on là, mode libre. Et on va la reprendre. De toute façon, on pourra la reprendre. Oui, on peut la relancer. Ok, on pourra la reprendre. Alors, pas du début, vous inquiétez pas. J'annule pas le braquage. J'annule juste cette mission en cours. Qu'on reprendra et on vous filmera ça là dans la foulée cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci en tout cas, les copains, d'avoir été avec moi. Demain, on ne retrouve que Fox et Euro, puisque Musa, tu seras dans le train pour me rejoindre à la maison. Oui. Exactement. Voilà. Merci, Musaren, en tout cas. On se dit à la semaine prochaine en live, en tout cas. Oui. Foxy, on se dit à demain. On fera du n'importe quoi. C'est d'accord. Ça. Et Oro, on se dit à n'importe quoi, parce qu'on se fera quoi, demain. Pour faire du n'importe quand. Voilà, c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous dire? À part qu'on a bien fail. Je suis déçu. Mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Rediff quand? Demain à midi. Donc vous regarderez la rediff demain après-midi. Tranquille. C'est juste que le temps qui traite le 60 FPS, si je le mets plus tôt, vous avez que du 240. Donc je trouve ça un peu con. Qu'est-ce que ça dit? Tu finis sur ta chaîne ou Pierre Alex? Non, je vais avoir un emploi du temps un petit peu complexe, donc on va le tourner avec les gars, mais je sais pas quand, etc. Mais vous l'aurez au bout de cette vidéo. Donc si toi tu regardes cette rediffusion actuellement, tu peux aller au bout, tu vas voir. On va la refaire, il y aura peut-être une demi-heure de bonus, une heure, que dis-je, peut-être 4 heures. Je vais me marrer à monter cela. Voilà, des bisous à vous. Au revoir, et puis à demain. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.